bonjour à tous et bienvenue dans ce... Eh oui, ce n'est pas un épisode de Roll and Play, mais presque tout comme. Bienvenue dans ce one-shot spécial La Élite, où nous allons jouer dans la magnifique cité, la cité sainte, comme on dit, parce que c'est une magnifique cité sainte. Voilà. Et aujourd'hui, on va jouer en Chroniques oubliées. Voilà. Comment allez-vous, les copains ? Ça va bien, et toi ? Très bien. Moi, je me porte de façon nominale. Très bien, c'est parfait. Oui. Moi, je suis très heureuse de cette nouvelle installation que nous avons aujourd'hui. Moi, je me porte comme un couvre-feu. Oui, il faut savoir que ce one-shot a été tourné le lendemain de l'annonce du couvre-feu. Et on voilà. est très contents. Ah, on Et est heureux. Il est 5h55. Allez, ça. Paris, c'est vite, les gars, vite, vite, allez. Je peux y aller. Bon bah très bien, et aujourd'hui on n'a pas Juliette qui n'est pas avec nous. Voilà. Ah oui. Non, parce que faut désolé. Pas désolé. On va désolé. Pas la pour la commune. Ah oui, mais on sait coup, que c'est votre préféré, mais elle est faut, pas là. Normalement là il doit rester 3 ou 4 personnes devant, voilà. devant la vidéo. Ah, voilà, ça y est, oui, là, je on pense a perdu, que maintenant on a qu'ils perdu ont vu tous les que Juliette n'était pas là, on a perdu toute notre communauté. Bah oui. Ah oui. Non, mais elle arrivera à la fin de l'épisode. En fait, elle joue la femme invisible. Habile. Ah. C'est pour ça, elle fait ouais. la femme elle, invisible. Elle joue toujours elle la femme invisible. Elle a pas compris qu'on avait changé de jeu. Invisible et muette. C'est ça. C'est un peu ça le problème. Non, regardez, je suis là. Tu fais très bien la voix de Juliette. C'est bien. Ouais. Bah, c'est beau. Ça, monstre. C'est beau. Ah, c'est confondant. Je pense, donc... je pense qu'elle va aimer te voir en train d'imiter. Ouais. Je pense que j'ai honte, Julia, je t'embrasse. Hein, voilà. J'ai honte. Je rougis, j'ai honte. Tu peux. Pardon. Là, tu peux. Pardon. Très bien. Donc, petit one shot dans La Élite. Alors, La Élite, qu'est-ce que c'est La Élite ? C'est un univers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers qui est paru pour la première fois il y a très très longtemps. Dans les années 80. J'ai plus la date exacte, oui, c'est quand même un petit moment. C'est un univers qui est paru dans les pages de Casus Belli, première génération. Et à la base, c'est un univers qui faisait 30 pages, à peu près, environ. Et qui a été donc réédité via un financement participatif il y a quelques années maintenant. Et qui désormais fait 400, 500 pages. On a un tout petit peu gonflé le truc. Voilà, c'est un petit peu augmenté. Voilà. La Élite, qu'est-ce que... Donc, La Élite, c'est une cité qui peut se placer dans... Honnêtement, dans n'importe quel univers. À la base, on l'a placée dans le même univers qu'Osguild et Alarion, donc l'univers de Chroniques oubliées. Voilà, on a même fait... je ne sais pas si les PDF seront sortis à ce moment-là, mais on a même fait un petit encart dans Pangée, si jamais vous avez envie de la mettre dans Pangée. Voilà. Pour la placer quelque part. Bref, ça peut se placer à peu près n'importe où. Et le principe de La Élite, c'est que c'est une immense cité sise sur un plateau, un haut plateau volcanique, vraiment sur la pente d'un volcan, au bord d'un lac, le lac d'Altalit. Et c'est ce qu'on appelle la cité sainte, c'est-à-dire que c'est une cité de pèlerinage à l'intérieur de laquelle on vient se recueillir parce que toutes les divinités ils sont vénérés. Sachant que, en fait, c'est une cité dans laquelle il n'y a pas de temple dédié à une divinité en particulier. Il y a 4 temples. Le temple du nuage, le temple du poisson d'argent, le temple du crâne, le temple de l'oiseau de feu. Et aussi, dit-on, le cinquième temple, qui est le temple de la taupe, mais qui est un temple dont on ne sait pas où il se trouve et qui est dédié aux divinités maléfiques et terribles. Mais pour le reste, ces 4 temples, en fait, qui sont dédiés à 4 éléments, accueillent les croyants et les pèlerins de toutes les divinités. Et en fait, chaque divinité est assignée à un temple. Voilà, ce qui fait que tout est réuni autour de ces 4 temples-là. C'est une grande zone de pèlerinage qui est dirigée d'une main plus ou moins de fer par le roi Dieu, qui est le dirigeant de la cité, le roi Dieu, qui a récemment changé puisque le précédent est mort, donc un nouveau a été nommé. Hein ? C'est un humain ? C'est une bonne question. Je crois que c'est un humain, ouais, si je me souviens bien. D'accord. C'est un ancien grand prêtre d'un des 4 temples. Et donc, le roi Dieu Nin Ier, puisque c'est désormais son nom, règne depuis le palais avec ses 2 lions blancs
et gère la cité de Laelit. Laelit qui est une cité qui est construite tout en pente, du coup, puisqu'on est vraiment sur la pente d'un volcan, et qui est séparée en deux. Je pense qu'on doit avoir une carte, donc je verrai si on peut pas vous mettre la carte aussi, qui est séparée en deux par une grande faille qui, au fond de laquelle coule un fleuve qui va nourrir, enfin un torrent qui va nourrir le lac. C'est une cité extrêmement dense en termes de population. Il faut s'imaginer, j'ai plus les chiffres en tête, mais il faut s'imaginer. Je pense qu'on est au-dessus de la population de Paris au Moyen Âge. Donc on est sur quelque chose de dense, de construit très en hauteur. Du coup, les bâtiments se construisent les uns sur les autres. En plus, comme on est sur une pente volcanique, on est construit sur des pentes, un peu, pour ceux qui connaissent Lyon, un peu typé pente de la Croix-Rousse. Hein, ça fait un peu cet effet-là, avec des bâtiments et des petites ruelles comme ça, et des bâtiments qui sont pile les uns sur les autres. Il y a plusieurs quartiers, etc. Ça, on y reviendra. Voilà, et donc Laelit règne sur la cité en elle-même, et aussi sur les environs du lac d'Altalit, ce qu'on appelle les provinces. Il y a plusieurs petites provinces comme ça, elles règnent. En tout cas, sa sphère d'influence s'étend sur les provinces autour du lac. Au niveau du lac, la ville a un port, puisqu'elle est vraiment, elle arrive au niveau de l'eau, et plus on s'éloigne et plus on monte sur la pente et vers le sommet de l'ancien volcan sur lequel elle a été construite. C'est très compliqué de s'y rendre, c'est un vrai pèlerinage, c'est-à-dire qu'il faut traverser une grande zone désertique, il faut grimper sur le haut plateau, ce qui est en soi une aventure, parce que vraiment, c'est sur des chemins escarpés, extrêmement... avec un dénivelé extrêmement important. Voilà, il faut vraiment s'imaginer les cités de pèlerinage type Jérusalem, mais à l'époque des croisades, quoi, je pense, en termes de... Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de la présentation de la cité. C'est assez complexe, hein. Il y a pas mal de choses. Le supplément est très très complet. Les suppléments sont très complets. Et voilà, et que dire, nos personnages, nos amis, ouais, sont tous des natifs de Laelit. Voilà, ils vivent là, natifs ou en tout cas là, qui vivent là depuis un certain temps, puisque c'est une cité extrêmement commerçante aussi. Donc on peut y faire sa vie vraiment. Même si la religion y tient une très grande place, que les temples y ont un rôle politique extrêmement important, on peut y faire sa vie, on peut y monter son échoppe, son commerce, etc. Commercer avec les provinces, etc., etc. Ce qu'on appelle le hors-ville. Voilà. Petite particularité, ça je l'ai oublié, mais c'est très important. Sous Laelit, il y a ce qu'on appelle le cloaque. Voilà. Et le cloaque, c'est une zone remplie de souterrains. Certains disent que c'est un peu une anti-Laelit, c'est un peu la version sombre de Laelit, là où se cachent toutes les créatures et d'où sortent toutes les créatures terribles qui parfois peuvent affecter la ville et ses habitants. Et surtout, c'est le royaume d'une entité très connue de tous, qui s'appelle l'Empereur Démon, et qui, depuis des millénaires, essaye de renverser le règne du Roi-Dieu. Bref. C'est son opposé, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, mais après... Mmh. Non, c'est le yin et le yang, quoi. C'est Batman et Joker, tu vois. S'il y en a un qui disparaît, Cain et Robin. Alors ça, si vous saviez. Pour le coup, c'est moi qui ai écrit le truc sur l'Empereur Démon, pardon. Ah. Ok, voilà. Il est très, très, très méchant. Il est très, très, très méchant. Il tue les PJ. Tu vois, il est vraiment très méchant. Ça n'existe pas, ça, tuer les PJ. Bah si, regarde, au tout début. Et on va avoir une belle démonstration dans les 10 premières minutes. À tout à l'heure. Allez, bonne journée. À bientôt. Bref, quoi qu'il en soit, les personnages donc, sont tous soit issus de la élite, soit ils vivent depuis un moment. Vous travaillez tous ensemble depuis un certain temps. Vous êtes un peu une bande...
Vous êtes un peu une bande de petits mercenaires qui bossent, enfin vous bossez pour les temples en règle générale quand il y a un truc à régler, que la garde peut pas s'en charger ou que les gens veulent être un peu discrets, etc. Voilà, et ben je vais vous laisser présenter vos personnages, du coup, histoire qu'on sache un petit peu à qui on a affaire. Très bien. Qui y va ? J'y vais. Bah, très bien, bonsoir Chloé. Bonsoir. Donc moi je suis une barde, je m'appelle Bismine, je suis de la race des Gopneldon, race que je ne connais pas du tout. J'ai 22 ans, je mesure 1m40 pour 40 kilos. Je vois dans le noir. Je suis une pickpocket, principalement. Je fais de la musique. Une barde, quoi. Une barde, quoi, voilà, c'est ça. Et j'habite, j'ai élu domicile dans les jardins du dénuement. Et je vis avec la population, donc assez misérable. Donc, sachant que les Gopneldon, c'est une des races de la élite, une race spécifique à la élite. D'accord. Et c'est des espèces de... On pourrait dire que ça ressemble, ouais, ça ressemble un peu à des gnomes, mais, oui, mais petit, qui aurait hybridé avec d'autres races. Voilà, c'est une race un petit peu bizarre. Pas très jolie, quoi. Non, un peu étrange. Ouais, c'est ça. Un peu étrange. Mais très charismatique, du coup, puisque tu es barde. Oui, évidemment, évidemment. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis agile, un peu comme un félin. Voilà. Mais justement, on a un félin. Oui, on a un félin, wow, effectivement. Wow, wow. Transition. Transition. Wow. Transition. Donc, Gitan Ar. Comment? C'est quoi ton prénom? C'est présent comme ça. Bonsoir, Gitan Ar. Gitan Ar. Gitan Ar. Gitan Ar. Comment ça s'appelle? Je peux voir. Gitan. C'est comme une gitane, mais avec un gu. Ah d'accord, Gitan. À vous de faire preuve d'originalité pour me trouver un petit surnom qui vous convient peut-être. Donc Félix. Chaton. Duchesse. Chaton. Ou petit donc, chaton. 27 ans. Ce qui est vieux pour un Félix. Ce qui est vieux pour un Félix. Un Félix dure moins longtemps que... C'est pour ça. C'est pour ça, savoir. Je me disais aussi, elle a un petit problème de dentition, elle a quelques dents un peu pétées. Du coup, elle a un petit souffle sur la langue comme ça quand elle parle. Et donc voilà, 1m78 quand même, hein, on la voit passer. Et c'est une voleuse. Qui adore la baston. Voilà, elle y trouve vraiment quelque chose de... Mais elle se bat avec beaucoup de tactique, de classe, de finesse, parce que c'est ce qui est écrit ici, avec... des attaques en finesse, des frappes chirurgicales, et puis très habile de ses deux mains. Voilà, donc un élément indispensable à cette équipe, je tiens à le dire. Voilà, et du coup, évidemment... En toute humilité, bien sûr. Elle voit évidemment un peu comme tous les personnages que tu joues, quoi. Comme indispensable à l'équipe, bien sûr, indispensable. Indispensable, toute humilité. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et du coup, attends, comment faire une belle transition? T'embête pas, je m'en occupe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, à la élite, moi, je suis Bérald Argan, ou Argan, je sais pas comment. Comme tu veux. Bah, je vais dire Bérald Argan. Bérald. Voilà. Bérald, c'est un humain. Un homme, donc, qui est un druide des cités. Physiquement, c'est quand même un gars assez imposant. Il fait 1m82. Ah oui. Il a une bonne carrure, des yeux verts. Il a le crâne rasé, une barbe, des boucles d'oreilles. Il a des bijoux, voilà. Il a une armure de cuir avec un drapé violet foncé, comme ça, qui recouvre le torse. Des bandelettes en cuir autour des avant-bras. Et donc, c'est un druide, donc quelqu'un qui a étudié. Il a surtout fréquenté, lui, la terrasse des nuages, du nuage. Du nuage. Du nuage. Donc, il se situe au nord de la ville, qui est assez élevée, du coup. Donc, la terrasse du nuage, qui est la terrasse, en fait, des nobles, en règle générale. Voilà. De la noblesse, de la haute société, etc. Et lui, en fait, il a passé du coup beaucoup de temps dans la bibliothèque de la terrasse du nuage à étudier.
il est très proche justement de la nature et puis de il a voilà travaillé aussi sur le pouvoir de la spiritualité, de tout ça, de l'esprit. Et et voilà. Et il a aussi dans le dos, il a un bâton et il a un arc avec 10 flèches, voilà, dans le dos. Important, 10 flèches. Tout à fait. Très sachant important. Que c'est la même chose, c'est un archétype qui est propre à la élite, qui est le druide des cités, puisque c'est un druide qui fait qui vénère la nature, mais au milieu de l'environnement urbain, ce qui est assez rare, et qui donc est voué à l'entretien des jardins et ce genre de choses, enfin, faire en sorte que la nature continue à exister malgré l'urbanisation galopante. Voilà pour Bérald. Ok, sans transition. Sans transition. Et moi, je serais Telmen Ekalm, un humain de 25 ans, beau petit morceau, là aussi, 1m85, 80 kilos. Et je suis Ribbleur. Le Ribbleur étant un rat des villes. Je suis costaud. Je porte une armure de cuir, moi aussi, renforcée. J'ai un arc, moi aussi. Je suis assez rustre. Je peux être un peu brutal, assez taiseux. Malgré tout, bon compagnon. Mais ouais, voilà. J'aime pas trop parler, j'aime pas trop qu'on me parle. Et j'ai passé beaucoup de temps, à errer dans le cloaque. J'ai passé beaucoup de temps là-bas dessous. Ce qui a peut-être noirci un tout petit peu mon humeur, mon âme. Nous ne savons pas encore. C'est ça, cette odeur, du coup. Et c'est ça, et les faillons. Ah, j'ai fait rire tout ça. C'est vrai. Quand même que je ris tout seul, regardez. C'est ça, rire. Ah, j'aime ça. C'est une émotion. C'est très intéressant. C'est une émotion. C'est une émotion. Et voilà. Et donc, oui, personne ne sait trop ce qui me meut, ce qui m'anime, mais... un bruit court que autrefois j'avais un frère. Et je vous laisse sur cette note pleine d'amertume. Et sachant que donc Ribbleur, c'est un archétype de rôdeur qui est notamment dans Hero Dragon et aussi dans Chroniques oubliées, donc qui est spécifique exactement à la élite. Voilà, voilà. Eh bien, nous allons tranquillement commencer. Et non, moi, tranquillement. Non, je reprends ma respiration parce que je sais pas quelle sauce on va être mangée. Très bien. Béchamel. La sauce béchamel. La sauce béchamel. La fameuse sauce béchamel. La fameuse sauce béchamel. Sur les designs, c'est très très bon. Ça conjugue très bien les lasagnes. c'est beau, c'est très beau. Donc vous êtes une... petite bande, une petite bande de mercenaires qui travaillaient assez régulièrement ensemble. On est juste avant le solstice d'été. Il fait chaud, il fait très très chaud. La élite, on est sur des climats en général assez arides, même si on est en hauteur, donc il fait quand même moins chaud. Qu'au pied du plateau, mais on est quand même sur des climats arides. Je pense qu'on peut trouver l'équivalence sur des climats un peu marocains ou ce genre de choses. Très chaud, un peu étouffant aussi parfois avec ce côté un peu pierreux parce que la cité est quand même très 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 pierreuse. Il y a pas tant de jardins que ça, il y a pas tant de nature que ça. C'est là où les druides des cités font leur travail, essayent d'en ramener un petit peu, mais c'est quand même très... Et puis ça se construit beaucoup, les maisons s'empilent les unes sur les autres. Bref, on arrive au solstice d'été et il commence à faire vraiment, vraiment chaud, assez étouffant. Ça fait quelques semaines que vous n'avez pas travaillé, mais vous avez rendez-vous dans une petite taberge. C'est joli. Mélange d'une taverne et d'une auberge. Une petite taberge avec
un prêtre du temple de l'oiseau de feu qui s'appelle Astérax. Astérix. Et voilà, très bien. Ça c'est fait. Astérax. 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 Qui, avec lequel vous avez, c'est lui en général qui vous envoie sur sur des petits boulots pour, en tout cas pour ce temple-là. Ouais. Donc vous le connaissez plutôt bien. C'est un homme d'un certain âge. Hein, il doit avoir bien une soixantaine, qui s'occupe en règle générale de gérer en fait tous ceux qui travaillent pour le temple de l'oiseau de feu en dehors et qui se charge aussi de tout ce qui est paye, etc. Enfin bref, d'accord. Quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de bosser, okay. qui paye rubis sur l'ongle tout le temps et vous avez plutôt confiance en lui. Donc vous n'avez jamais eu de problème avec lui en tout cas. Vous êtes dans la taberge du Poisson Joyeux et il faut bien attirer le chaland, donc on met des noms poisson sympathiques. Poisson joyeux, le mais poisson si un joyeux. Poisson ça peut être joyeux. Sachant que c'est quand même un des repères de Guitanars. Ouais, le chaland, ouais. Mais moi je suis plutôt rapide donc. Non, le poisson joyeux. Oui, mais il a dit. Ah, d'accord. Voilà, ça la taberge, c'est un repère. Oh là, ma vanne, elle tombe bien, ouais. Bien à plat là. Moi j'ai pas entendu la même chose. On la voit chuter là. On la voit chuter. Oui, oui, ouais, oui. Attention, oh là, attention, c'est là. Attention. On n'en retrouvera jamais rien là. Non, c'est par rapport à poisson. Oui, je vois. Poisson, chat. Oui, on verra les chats et le poisson. Le ton, c'est qu'elle est morte. Ouais. Mais bref, vous êtes dans cette petite taberge, on est au début de la journée. Voilà. Vous êtes retrouvé là. Ouais, voilà, vous venez d'arriver, vous avez rendez-vous, vous l'attendez. Et pour l'instant, la taberge est assez, comme beaucoup de taberges à la élite, est assez agitée. Il y a pas mal de monde qui passe. Vous êtes sur la terrasse de la prospérité. La terrasse de la prospérité, c'est la seule terrasse d'ailleurs qui n'a pas de... une des seules terrasses, à part le châtiment, je crois. La seule terrasse qui n'a pas de temple, c'est une terrasse où se trouve tout le cœur de l'activité marchande de la cité, vraiment. C'est là qu'on trouve les marchés, les marchands, les négociants, etc. Une terrasse, on n'est pas aussi, c'est pas aussi riche que la terrasse du nuage, enfin, c'est pas aussi haute société que la terrasse du nuage, on est plutôt dans la bourgeoisie ici, mais c'est une terrasse où il y a beaucoup d'argent qui brasse, beaucoup de gens. C'est une terrasse d'ailleurs où très certainement notre ami Félix traîne très régulièrement pour couper quelques bourses, parce qu'on va y trouver beaucoup de voyageurs aussi. Et donc les taberges de la prospérité sont extrêmement prisées et il y a beaucoup de gens qui passent, qui rentrent, qui sortent, il y a des négociations qui s'y font, des gens qui boivent pour sceller des contrats, etc., etc. Bref, très agité, ouais. Beaucoup de monde. Il y a du monde. C'est où exactement dans la ville là tu... La prospérité, ouais. C'est sur le nord de la faille. D'accord. Au milieu, en fait. D'accord. Tu vois. Terrasse, dans jardin supérieur. Est-ce que c'est celle où il y a le grand théâtre? Oui, exactement. Ok. Donc c'est exactement. Vraiment la grosse du milieu. Tu l'as... Ah là, c'est la grosse du milieu là. Ah c'est oui, ça. D'accord. Tu vois, toute la zone qui est près du lac, c'est ce qu'on appelle la chaussée du lac. Donc c'est toute la zone portuaire. Ouais. Au-dessus de la chaussée du lac, de l'autre côté de la faille, on a la prospérité. Ouais. Au-dessus encore, on a le nuage. Le nuage, ouais. De l'autre côté, on a, si je me trompe pas, on doit avoir le châtiment et la main qui travaille. La main qui travaille, qui est la terrasse qui concentre toutes les artisans et tous les travailleurs de la cité et qui est aussi un peu qui a aussi un peu la terrasse d'entrée puisqu'elle est connectée au lazaret qui permet de filtrer les pèlerins et de les faire entrer dans la cité. Le châtiment, ça c'est une terrasse un petit peu particulière, c'est une terrasse où personne ne va parce qu'elle est extrêmement dangereuse, on dit que les rues y changent. Il y a une catastrophe s'est passée là-bas. C'est celle-là ? Ouais, je crois que c'est ça. Celle où il y a le temple des anciens ? Ça doit être ça. Oui, la terrasse la plus haute. Ouais. Si je ne me trompe pas, oui, parce que la chaussée du lac est de l'autre côté. Oui, tout à fait. Voilà. Et les spécialistes me détromperont de toute façon si je me suis trompé sur la géographie de la ville. Nous allons pour l'instant de toute façon rester dans la prospérité. D'accord. Oh, ici. Voilà. Ok. Bref, il y a du monde. Ouais. Ça bouge. Vous êtes là, vous êtes retrouvés tous les quatre. Et pour l'instant, il n'y a par contre pas d'Astérax. Ça fait un moment qu'on attend, non? Ouais.
Moi, j'ai besoin de bosser, hein. Je sais pas vous, mais ça fait plusieurs semaines, il se passe rien. Mmh. C'est pas dans ses habitudes d'être en retard. Non, c'est vrai, c'est bizarre. Moi, ça me va. Vous êtes pas bavard aujourd'hui, hein. J'étais pas bavard hier, je serai pas bavard demain. Oui, mais je te parlais pas forcément à toi. Oui, mais moi, je te parle à toi. Oui. Vous êtes un peu reposé depuis la dernière fois. Oui. J'ai récupéré des forces. Je me sens mieux. Moi, j'aime toujours autant faire l'assiette. Bon. Sinon, s'il vient pas, ça fait combien de temps qu'on attend, là? Je sais pas, 2 heures? Deux heures? Bah, au moins, là. Bah, faudrait peut-être aller chez lui. Il exagère un peu, ça fait certainement une vingtaine de minutes. Bah, dis donc, t'as une sacrée... Non, pas non. Comme d'habitude, comme goûté. Il a l'habitude d'exagérer. Oui, j'exagère toujours un petit peu. Oh, Bérald, exagère toujours un petit peu. Oui. Ouais, c'est pas, c'est vraiment pas dans ses habitudes de pas être ponctuel. Vous pensez qu'il a été retenu au temple? Bah, je sais pas, mais peut-être faudra y aller, non? Deux d'entre nous y vont et... En même temps, 20 minutes, c'est pas non plus très long. Peut-être qu'il a un retard, c'est pas... Bon. Bon, très bien, attendons, là. Et moi, je me penche juste, tu sais, et je touche le sol, puis je murmure quelque chose, et vous voyez juste la végétation comme ça qui part de ma main parmi les pavés qui monte un petit peu comme ça le long des murs, le long des tables, enfin voilà, qui part un petit peu comme ça. Et juste je me remets dans mon siège. Fais-moi un jeu de discrétion. Ah ! Ça commence. Dextérité. 14 et 1, 15. Et t'entends juste... Hey ! Combien de fois je t'ai dit de pas faire pousser tes bons sangs de plantes ici ? C'est le tabergiste qui te regarde. Un petit peu... Après, c'est pas toi qui arrache, c'est moi. En plus, ça endommage mes murs. Mais ça a le mérite d'être très joli. Oui, bah, c'est pas là pour être joli. C'est toi qui payes. C'est toi qui payes les réparations. C'est toi qui payes le torchis. Autant pour moi. Oh. Ah, tiens tranquille. Je ferai plus jamais. Merci. Jusqu'à la prochaine fois, c'est ça? C'est ça. Ouais. Jetez à l'œil. Ça. Et il repart en bougonnant. Je te jure, c'est pas possible. Espèce de... Ah. Bérald, t'as un truc contre le mal de tête? Non. Qu'est-ce que... Tu as fait la fête? Oh, monsieur a mal au crâne, monsieur a trop bu hier. Monsieur était en bonne compagnie? Monsieur était en bonne compagnie. Monsieur s'est couché tard, en bonne compagnie et complètement ivre. Pour changer. Est-ce que t'as pas des feuilles à mettre dans de l'eau chaude pour mon mal de tête, s'il te plaît? Je regarde dans ma sacoche ce que j'ai sur moi. Non, mais tu connais un très bon point sur lequel on peut appuyer pour faire partir le moins mal de tête. Tu peux lui montrer si tu veux. C'est au niveau du... Tu vois, de l'intérieur du poignet. Ouais, l'intérieur du poignet. Donne-moi ton poignet. Et du coup, je prends sa main. Il a une main, tu vois, un avant-bras qui est un peu... Massif. Hein? Massif. Massif. C'est pas le mot que j'allais dire. J'allais dire sale. Il peut être massif et sale. Massivement sale. Bien sale. Et du coup, je le serre comme ça avec moi, mes doigts qui sont assez longs avec, tu vois, les bagues autour, comme ça. Et je viens appuyer au centre, tu vois, à l'intérieur du poignet, comme ça. Ça fait beaucoup de bien, ça. Pendant qu'ils font ça, moi, je sors ma flûte de Pan. Je joue un petit air près de sa tête, comme ça. Ça fait moins de bien, ça. Et pendant qu'ils font ça,
vu que la tension est un peu machin, où il y a un mec qui passe en les regardant, et moi je sors ma dague et je fais... Ting, je décroche sa bourse, touc, je me la mets dans la poche. Moi, j'ai dextérité. Bah ouais, c'est la bonne. C'est la bonne. Bien sûr. C'est la première scène. Oh mince. 12. Oui, oui, oui. Mais il regarde tous les jolies chansons et tout. Il écoute la jolie chanson, en fait, et du coup, il tourne la tête au moment où elle commence à jouer, pendant que toi, tu vas pour couper sa bourse, ses yeux se posent sur ta dague, tu vois qu'il a vu ta dague. Que fais-tu ? Je, d'un geste très, mais alors d'une dextérité, je retourne la dague. Et je lui dis juste, attention mon bon monsieur, vous avez failli perdre votre bourse. Parce que en le retournant, j'ai mis un petit coup quand même dans le truc, elle est en train de tomber. Attention mon bon monsieur, vous êtes en train de perdre votre bourse. Il récupère sa bourse, te regarde. Ouais. Et là, je fais tourner, je range ma dague et je me remets comme ça. Il reste un instant. Je ne regarde même pas, je continue à regarder mes camarades dans leur... Saloperie de chat. Et il se barre. On a entendu ou pas ? Ouais, bien sûr. On a entendu ? Ouais. Non, tu restes tranquille, Kitana. Ouais. On reste. Les quatre. Et là, je commence à avoir les poils, tu sais, comme ça, avec le dos qui devient tout rond, comme ça. Oh. Fais pas ça à côté de moi, je te l'ai déjà demandé 50 fois. Oh non ! Et voilà. J'ai la queue qui fait comme ça. Et là, tout à coup, vous entendez juste une voix féminine qui dit oh, « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je reviendrai plus tard. » Non, non, restez, je vous en prie. Vous voyez une jeune femme, 25 ans, pas très grande, humaine, avec une coupe un peu... Elle doit pas prendre bien soin de se coiffer le matin. Elle a les cheveux assez courts, en bataille. Elle a un petit air timide. Elle est légèrement... les épaules légèrement rentrées. Elle vous regarde. Elle a ses bécicles sur le nez. Continuez. Je reviendrai plus tard. Non, restez. Vous êtes qui ? Vous ne nous dérangez pas du tout. Asseyez-vous. Je tire un tabouret pour qu'elle s'assoie. Je pousse les affaires des autres. Asseyez-vous. Ah, merci. Vous êtes sûr ? Je ne vous dérange pas, messieurs. Non, pas du tout. On s'ennuie un peu, pour tout vous dire. Ah, exactement. On s'ennuie un peu. Moi, j'ai toujours le regard comme ça. Tu sais, les yeux comme ça. Je fixe toujours l'homme là-bas. Je me demande comment je vais pouvoir me le faire, quoi, tu vois. Il est allé rejoindre... apparemment, il est allé rejoindre... C'est un marchand. Il est allé rejoindre ses gardes du corps. qui sont au nombre de 4. Je pense que tu vas lâcher. Abandonne, laisse tomber. Ils sont à une table, ils sont en train de parler avec un autre marchand. Et effectivement, il y a... c'est assez... enfin, voilà. Bah du coup, moi, pendant qu'elle s'est... Quand elle prend place, la jeune femme... Gitane, on reste tranquille. On reste tranquille. Quand il me dit ça, moi, j'analyse bien son visage, tu vois. Pour le jour où je le recroise, je... Les griffes. Je laisserai pas passer. Rentrez, Gitane. Les griffes, c'est dans la table, c'est trop tard. Ah. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ah non, bah là, je suis nulle en sagesse. C'est mort. Elle va démonter la taverne. Bah, 12. Tu vois juste qu'il te regarde aussi, avec, tu dirais, exactement la même intention. D'accord. Étonne. Il semble pas avoir digéré le fait d'être sur le point de se faire couper la bourse. Il a qu'à pas à la mettre aussi en vue, une si belle bourse comme ça, là. Gitane, ses griffes restent dans cette table et n'iront pas plus loin. Mademoiselle, on vous écoute. Allez-y, pardon. Vous souhaitez boire quelque chose ? Non, ça ira, merci. J'ai bu tout ce que je pose ma main sur mon verre, sur le bro. Non.
Ça ira, merci. Vous vous appelez comment? Deyonara. 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 J'ai pas compris. Ah, et vous venez de la part de Astérax? Ah, je viens à propos de du père Astérax, oui. Ah, que se passe-t-il? Eh bien, voyez-vous, je suis son assistante. Je gère ses affaires courantes, ses rendez-vous. Enfin, bref, je m'occupe de la paperasse, en règle générale. Et il s'avère que aujourd'hui, alors que je me rendais chez le père Astérax... Trop long, trop long, trop long. Je l'ai retrouvé chez lui, mort. Voilà. Ça, c'est efficace. Attendez, attendez, vous l'avez... Attendez. Dans Astérax chambre, est mort. Mort, dans sa chambre, mort. Mort. J'ai entendu Talmen, mais... Mort. Mort, décédé. Décédé, Mais, très bien, attendez, quand vous l'avez retrouvé... Oui, oui. Est-ce oui, que oui, vous avez vu les traces d'une éventuelle... Je ne sais absolument pas, ce n'est absolument pas mon domaine, je ne sais pas comment ça marche. C'était il y a combien de temps? De quoi? Quoi? De quoi? Quoi? Que vous l'avez trouvé il y a combien de temps? Il y a peu. Je suis allé le voir ce matin, je lui donnais ses rendez-vous de la journée, dont les rendez-vous avec vous, je savais qu'il travaillait régulièrement avec vous. je n'aime pas sortir du temple. Qui d'autre est au courant? Les... genre de maison, et à part ça... Est-ce que le corps est toujours sur place? Je suis venu vous voir dès que j'ai su. Je suis d'abord allé voir la garde, et la garde m'ont dit, nous sommes trop occupés à organiser les festivités pour le solstice, pour le soleil d'or. Bref, parlez-en à l'oiseau de feu, je suis allé voir le temple de l'oiseau de feu, qui est très occupé aussi. Apparemment, et un guérisseur est venu, et il a dit qu'il avait très certainement, eh bien, malheureusement, décédé. Son cœur a lâché, mais il semblait en pleine forme. Alors, je me suis dit que j'allais venir vous voir, parce que ça me semble... On vous suit, on vous emmène là-bas sur place. Je pousse mon verre de lait comme ça, et je me lève d'un coup. On y va? Bah ouais, on y va. Je finis juste ma chope. Allons-y, mademoiselle. Bien. Je vous emmène jusqu'à chez Astérax. Très bien. Je remets mon arc, mon bâton, paf, et je sors de la taberge en direction de chez le père Astérax. Et chez qui vous n'êtes jamais allé. D'accord. En fait, elle va vous guider à travers la terrasse de la prospérité, à travers des petites ruelles. Vous allez... c'est des ruelles, il faut vraiment voir des ruelles très pentues. En règle générale, hein, on passe son temps à monter et à descendre dans la élite. Ça fait les jambes. Hein. Et les ruelles sont, en règle générale, à part les artères les plus importantes, les ruelles sont vraiment très très étroites. Il y a même certaines ruelles où les bâtiments sont tellement imbriqués les uns sur les autres qu'on n'en voit plus le ciel. Et qu'on ne voit plus que les bâtiments, en fait, qui se rejoignent. En gros, ça fait des arcades, mais qui n'ont pas été fabriquées pour ça. Des fois, on a presque la sensation que les bâtiments sont collés les uns aux autres, mais parce qu'il y en a un qui a très légèrement bougé et qui est venu se poser sur l'autre. Enfin, c'est vraiment... c'est assez... Et puis, la prospérité étant extrêmement agitée, il y a du monde tout le temps. Tout le temps. Vous passez votre temps à passer à travers la foule, à vous faire bousculer, voilà, vous avez l'habitude de naviguer, bien évidemment, hein, dans le quartier, mais il faut vraiment s'imaginer un quartier extrêmement agité, avec énormément de monde, des rues et des ruelles remplies tout le temps, et d'autant plus là, puisqu'effectivement, on approche du solstice, on approche de ce qu'on appelle le soleil d'or, qui est une grande fête qui est organisée par le temple de l'oiseau de feu pour le solstice. Et donc, les pèlerins affluent d'autant plus dans ce moment-là. Et la cité est d'autant plus habitée. Les taberges sont remplies à ras-bord. Enfin, bref, c'est extrêmement agité. Il va vous emmener jusqu'à une petite maison. Ouais. Assez étroite, en fait. Prise entre deux autres maisons. Tout en hauteur. Et elle ouvre la porte. Entrez, c'est ici. J'ouvre la marche, je rentre. Et moi, je rentre en dernier. Moi, je te suis derrière. Je suis petite, mais je suis derrière toi. Et vous rentrez dans une maison qui semble être faite tout en longueur.
pas très très large, peut-être 3 mètres de large, grand maximum. Mais ouais, c'est vraiment. 3 mètres de large. Ah, 3 mètres de large. C'est un couloir, quoi. C'est un couloir, mais tout en longueur. Ouais, je. À partir du moment où je rentre, et même juste avant de fermer la porte, je passe en dernier, juste avant de fermer la porte derrière moi, je regarde quand même dans la ruelle, je jette un regard périphérique, enfin, sur les alentours, et à partir du moment où je rentre dans la maison, je suis super attentif aux détails, à des choses qui pourraient attirer mon regard. Je cherche des traces de d'effraction, traces peut-être de lutte, voir si quelque chose a, oui, laissé une trace inhabituelle sur un mur, sur le sol, quelque chose. À cet étage, rien. Tout est en très bon état, très très bien entretenu. Ouais, moi, je suis pareil, je suis hyper attentive, mais je suis hyper attentive à tout ce qui pourrait avoir un peu de valeur, qui est un petit peu joli, qui serait pas bien rangé et qui pourrait finir dans ma poche. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'avoir de la valeur. Il y a beaucoup de bibelots posés sur des petites étagères. Okay. Certainement des reliques, d'ailleurs, pour certaines, des petites reliques sacrées appartenant au temple. Je repère celle qui passerait inaperçue si elle n'était plus là, et puis... pendant qu'ils sont en train de monter, je la mets discrètement. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Il faut savoir à quel point l'inventaire est bien fait ou pas. Bon, c'est pas grave, je la prends. Ça lui manquera pas. Fais-moi un petit jet de texte. Est-ce que moi, je vois ce qu'elle fait ou pas? Bah, fais-moi un jet de sagesse. 22. Oh. Donc, toi, tu ne vois rien. 22. Oui. Tu mets une petite relique en or. On dirait c'est une espèce de pendentif à l'intérieur duquel, au moment où tu le prends, en fait, tu t'aperçois qu'il y a c'est en fait un petit contenant en verre qui est serti d'or. Et à l'intérieur, il y a une phalange. Une phalange? Wow. Bon, moi, je regarde ça. Enfin. Tu vois, en même temps que je le fais, je le vois, je dis tant pis. Je le prends quand même. Moi, je suis directement montée voir le corps, moi. J'ai pas trop attendu. Effectivement, elle vous emmène à l'étage, au deuxième étage en fait. Sa chambre est au deuxième étage. Ouais. Je suis avec toi aussi. Et vous entrez dans une chambre. Alors, c'est une chambre. Elle n'est pas très, très grande. Déjà, elle n'est pas très large. Mais en plus, elle n'est pas immense. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue. Un lit, très simple. Très, très simple. Même chose, il y a plusieurs reliques sur une étagère qui sont là. Or, argent, certaines avec quelques pierres semi-précieuses qui sont serties. Mais on est sur le même genre de relique, c'est-à-dire que tu vas très vite t'apercevoir que ici il y a un œil, ici il y a une phalange, ici il y a, enfin ce sont des reliques saintes. C'est charmant. Elles sont posées, tu dis, sur une étagère. Sur une étagère. Il y a des dents. Posées en vue, juste en dessus de ce qui ressemble à un petit hôtel, en fait. Moi, je m'approche justement de cet hôtel-là et j'observe sur l'étagère, voir si je vois une trace de... la trace d'un objet disparu, qui aurait une zone où il y a moins de poussière que... Sagesse. 14, 12 et de 14. Tous les objets semblent être là. Il n'y a pas de traces particulières. En plus, ils sont espacés de manière assez régulière. Il n'y a pas... Il semble ne rien manquer. Il n'y a pas de désordre dans la chambre. Il n'y a absolument aucun désordre. Et le corps, il est comment ? Le corps est sur le lit. Il est sur le lit, allongé. Mais donc il est paisible. Comme si... Alors, il est paisible, oui et non. Il est allongé comme s'il était en train de dormir. Mais quand tu t'approches du corps, tu te rends compte que son visage exprime une espèce de terreur terrible. Il est figé dans une grimace terrorisée. Mais il est sous ses draps, enfin, comme s'il était mort pendant son sommeil. Du coup, est-ce que ça m'évoque quelque chose au niveau occulte? Est-ce que ça me rappelle un souvenir que je pourrais avoir sur quelque chose d'occulte? Non. Je fais le tour de la pièce comme ça, en mode félin. Je passe sous le lit et j'essaie de renifler, voir si je vois des trucs.
Il est sous ses draps, tu dis. Ouais, mais comme s'il dormait. Il... Moi, je soulève le... Ah, je ferai après. Fais ce que tu veux, mais pendant que je... Mais fais-moi un jet de sagesse, déjà. Un jet de sagesse. Et, moi, je soulève les draps, quoi. Bah ouais. Il est en habit de nuit. 8 et je ramasse tous les moutons de poussière, c'est ça? C'est exactement ça. Non, c'est au moment où tu vas te baisser sous le lit, en fait, tu t'aperçois qu'il y a un mouton de poussière qui t'est rentré dans le nez, tu vas éternuer et tu ne trouves rien de particulier. Donc son corps n'est pas... je veux dire, on ne voit pas qu'il a été empoisonné, il est veine, tout est normal. Je ne sais pas, fais-moi un jeu d'intelligence. Du coup, je me secoue comme ça et je fous du poil partout. Non, je peux l'aider. Si, je peux l'aider quand même. Bah, tu peux me faire un jeu d'intelligence. Je peux le faire aussi. Bah moi, ouais, fais-le parce que j'observe le corps moi aussi. 5. Je cherche pas forcément la même chose. Moi, je cherche. Vas-y. Non, pardon, on a fait 4 et 5. D'accord, très bien, parfait. Moi, j'observe si le. J'essaie de lui. Il a les mains comment? Là, il a les mains légèrement crispées, mais elles sont... J'essaie de soulever une jambe pour voir si le corps est bien raide ou si... Ah, il est raide. Il est raide. Et je vérifie si le matelas a été souillé, si lui, il a... Pareil. Oui, bien sûr. Épicé. Donc la vessie s'est libérée. OK. Et est-ce qu'il y a une trace de strangulation, des choses comme ça? Moi, je le retourne pour voir s'il y a quelque chose dans son dos ou sous son matelas ou derrière la tête. Rien de particulier. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on le déshabille? Non. Pour vérifier? Non. C'est bizarre. Bah, ce serait peut-être bien quand même. D'accord. Et du coup, on voit tous le fait qu'il a ce visage apeuré. Oui. Et bah, du coup, moi, j'enlève son... Terrifié. Attends, je prends ma dague et je coupe là son vêtement pour libérer qu'on puisse voir sur le torse. Si on voit des veines écarlates, des ecchymoses, des Fais-moi un jet de sagesse. Allez, sois bon. 12 et 2, 14. Pas de veines écarlates, pas d'ecchymose particulière. Son corps. Vous comprenez pourquoi le guérisseur a dit que c'était probablement son cœur qui a lâché ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de trace. Jusqu'à ce que tu soulèves très légèrement son cou. Et là, tu vois une petite trace. Tu n'avais pas fait gaffe. On aurait dit une éraflure au départ. En fait, non, c'est plus que ça. On dirait une petite trace de dent. Comme s'il y avait une toute petite morsure. Pas d'un animal venimeux, pas de serpent par exemple, on ne dirait pas des crocs, on dirait vraiment juste une trace de dent, quoi. Quelqu'un qui a mordu? Non, c'est pas une trace de mâchoire. D'accord. Vraiment une trace de dent. Une dent. Ah. Ou deux, mais... Mais donc c'est... Ah, on voit ça. Donc on voit ça. Ouais. Je regarde dans les reliques, si je voyais pas des dents, dans les trucs, tu sais, il y a des phalanges, des yeux, des machins, il n'y a pas des dents. Donc... Si, il y a une dent. Et ça pourrait correspondre? Non, pas du tout. Mais c'est peut-être quelque chose qui a été fait avec autre chose que des dents, qu'une mâchoire. Avec un objet? Un objet? C'est un objet qui ressemblerait à une dent? Par quelque chose... Par rapport aux anciennes missions qu'il nous a confiées, Astérax, par rapport à ce qu'on sait du contexte politique actuel... Et des tergiversations ou des tractations diverses et variées. Absolument rien. Non, ça n'évoque rien. Et d'ailleurs, du coup, c'est même pas étonnant que ce soit passé inaperçu de la part d'un temple ou d'une garde qui a d'autres chats à fouetter, en fait. Ouais. Tu vois, la mort a l'air plus naturelle qu'intentionnelle. Et vous, ce détail vous fait tiquer, mais c'est pas... C'est pas étonnant que quelqu'un soit passé à côté, quoi. Est-ce qu'on sait s'il a de la famille ou pas? Non. Il n'a pas de famille. Je m'approche de Deyonara. Où ça? Elle recule. Il avait des soucis avec des personnes, peut-être du temple ou... Non. Il était en conflit avec personne? Aucune situation anormale en ce moment? Non. Est-ce qu'on pourrait rencontrer ses collègues? Vous aviez des bons rapports? Oui.
Elle recule encore un peu. Je me retourne d'un coup vers mes camarades et j'en dis allons au temple. Elle a l'air impressionnée. Elle a l'air très mal à l'aise de l'attitude qu'elle est en train de prendre. Mais très mal à l'aise de l'attitude, de ce côté. Très proche. Elle est très mal à l'aise au contact, en fait. Et du coup, je m'éloigne un peu du lit et je viens justement me mettre devant Guitane. Mais je me suis déjà retournée et je vous ai dit allons au temple. Et là, je commence à partir, à descendre. Est-ce que. Il y a des raisons de penser que quelqu'un aurait pu lui vouloir du mal ? Eh bien, Serax, vous le savez, travaillait sur des affaires pour le temple. Alors, bien évidemment, si il y a forcément des gens qui lui voudraient potentiellement du mal à un moment ou à un autre. Il a fait arrêter des gens, vous avez participé à arrêter des gens pour lui. Mais est-ce qu'une affaire plus qu'une autre aurait pu ressortir des dossiers bien enfouis ? Quelque chose qui le tracassait. Il faudrait compulser ses dossiers actuels. Je ne faisais que gérer son emploi du temps, très personnellement. Et justement, j'allais vous poser la question, il a eu des rendez-vous récurrents récemment ? Des gens qu'il a vus plusieurs fois ? Vous, notamment ? Est-ce qu'on peut voir son registre et ses dossiers ? Oui, bien sûr, son bureau est juste à côté. Du coup, je me dirige vers le bureau. J'ouvre, je commence à regarder un peu le registre, là où voilà, il enregistre un petit peu tout, justement, sur toutes ses affaires, voir les différents dossiers, voir s'il y a des noms qui nous parlent, des affaires... Forcément, je reconnais des noms, parce qu'il y a des affaires qu'on a traitées nous-mêmes. Mm-hmm. Je me dis, tiens, ouais, ok, lui, d'accord, ok. Et puis, je me dis, bon, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient m'interpeller dans des chiffres, des noms, des endroits ? Alors, donc son bureau est de l'autre côté, en fait, par rapport à la chambre. Ah oui, pardon, je crois que c'était un bureau dans la chambre. Non, c'est pas dans la chambre. Ah, c'est de l'autre côté, dans une deuxième pièce. Ok. Une petite pièce qui donne, elle, sur un jardin. Ouais. C'est plutôt agréable. Hein. Ouais. Un jardin bien entretenu. Très bien entretenu, même. Qui, lui-même, est tout en longueur, d'ailleurs. Hein, entre deux maisons. Totalement fermé. Enfin, c'est... Voilà. Et faites-moi... Fais-moi un jet, vu que vous êtes deux, fais-moi un jet de d'intelligence avec plus 3. Allez. Ah putain, ça m'énerve quand ça fait ça. 17, c'est devenu un 10. 10 et 3, 13. Ok. C'est pas mal, 13. Non, c'est pas mal, 13. Ouais. Non, mais en chroniques oubliées, 13, oui, c'est pas vrai. Mal. C'est faut pas l'oublier, parce que je me rappelle. C'est sûr. Faut pas oublier, Chroniques oubliées, c'est un jeu où les caractéristiques évoluent très très peu, contrairement à Héros et Dragons. En général, on gagne plus de dans une ou deux caractéristiques dans toute la carrière du personnage. Donc autant dire que... C'est bien. 13, c'est pas mal. D'accord, ok. Alors, dans ces papiers, vous allez pas trouver de chiffres, de choses, etc. En fait, vous allez surtout trouver des... C'est pas des registres, c'est plutôt des comptes rendus. D'accord. D'ailleurs, vous allez trouver des comptes rendus sur les affaires que vous avez menées vous, mm-hmm. bien évidemment, mm-hmm. Et sur d'autres affaires. Et apparemment, les plus récents concerneraient une série d'enlèvements. 3, pour être précis. Dans la prospérité et dans le nuage. Okay. Qui concernent des kidam, hein, c'est pas des prêtres, pas des... Pas des personnes de haut rang. Des personnes de haut rang, etc. Plutôt des gens, justement, de classe moyenne, voire légèrement inférieure, ouais. Qui ont disparu. Vous voyez quelques notes où il émet l'hypothèse qu'en fait, il y aurait eu plus d'enlèvements que ça, mais que ceux-là sont les seuls qui ont été signalés. Et qu'en fait, peut-être que les personnes qui enlèvent, c'est qu'il y a des enlèvements qui sont plus larges que ça, parce qu'il semblerait aussi qu'il y ait des personnes de très basse extraction, notamment des personnes un peu solitaires, mendiants, etc., qui aient disparu. Donc c'est pas des personnes qui ont le même rang forcément. Absolument c'est pas. Mélangé. C'est très très mélangé. Mais que ces trois-là, en fait, qui sont plutôt des travailleurs, vivaient seuls, mais avaient quand même des gens qui les connaissaient et qui ont signalé leur disparition. D'où le fait que ça a attiré son attention. Et ce qui fait qu'il a pu remonter un peu les choses et voir que... C'était lié, quoi. C'était peut-être lié. En tout cas, c'est une hypothèse qu'il émet. Qu'il y a des disparitions,
qui n'ont pas été signalés, mais dont lui a pu ensuite retrouver la trace, et qui sont peut-être liés. Okay. Donc, tu as dit trois disparitions, prospérité et nuages. Ouais, dans la prospérité, et puis une personne qui travaillait en tant qu'un serviteur, en fait, d'une des maisons du nuage. D'accord. Les noms ne nous parlent pas. Les noms ne vous parlent pas, par contre. D'accord. Et la toute dernière entrée du journal, ouais. Il est juste... Il y a deux, trois choses griffonnées, comme ça. C'est un peu des notes éparses, comme s'il était en train de réfléchir en écrivant. Mmh. D'ailleurs, c'est pas écrit à la plume, c'est écrit à l'équivalent du crayon de bois, quoi. Au bic. De l'époque. Et vous voyez juste, par contre, souligné plusieurs fois les rats. Les rats ? Les rats. Des rats de l'animal ? Rats. Comme un rat. Les rats. Les rats. Moi, pendant qu'ils étaient en train de regarder ça, évidemment, je les rejoins pour avoir les informations et avoir cette dernière information-là aussi. Moi, je suis descendue et je les attends devant la porte parce que j'avais dit allons au temple et j'attends qu'ils descendent et je tourne en rond devant la porte et on est en plein cagnard et j'ai chaud. Tu vois une femme qui est en train de passer le balai en bas. Devant la maison ? Non. Dans la maison. Dans la maison. En train de passer le balai, une femme d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Ok. La porte était ouverte. Regarde l'étagère sur laquelle elle commence à faire la poussière. Elle place un des trucs. Moi, tout de suite, je vais la voir et je lui dis bonjour madame. Vous n'auriez pas vu le médaillon qui se trouvait ici ? Un quoi ? Le petit médaillon, avec la phalange à l'intérieur. Excusez-moi, on est ici parce qu'il y a eu un meurtre, apparemment. Enfin, en tout cas, Astérax est mort et on soupçonne quand même quelque chose de... Vous êtes ? De grave. Je fais partie de cette équipe de... Je travaillais pour Astérax. Et du coup, je travaille toujours pour Astérax parce que sa mort un peu soudaine comme ça est très étonnante. Vous êtes qui ? Je suis la personne qui s'occupe du ménage ici. Et même si Monsieur Astérax est mort, je continue d'entretenir cette maison jusqu'à ce qu'elle soit réclamée. Mm-hmm. Je m'approche d'elle comme ça, tout près. Elle s'approche de toi. Suspect. Elle va juste... Vous n'avez pas vu le petit médaillon ? Le petit médaillon ? Un médaillon, non, on est là pour enquêter sur la mort d'Astérax. Je ne connais pas la décoration de cette maison. Donc vous ne l'avez pas vue ? Non. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Sois fort. Je suis nulle en charisme. Mais comme la meuf, elle est en prison. Je l'adore Fort Boyard. Elle va aller en prison avant la fin. 12 ! Ça passe. On a dit en chronique oubliée, ça passe. 12, mais c'est bien. Mais il a jeté un dé aussi. J'ai jeté un dé aussi. Elle te regarde. Pensez à le remettre quand vous partirez. Puis elle repart à son ménage. Moi, du coup, je remonte. Je vais voir les camarades, je leur dis, il y a quelqu'un de très bizarre en bas. C'est qui ? Ce serait peut-être bien de l'interroger. La femme de ménage. Et pourquoi Super. Tu l'as pas fait ? Ah bah j'ai essayé, mais alors elle a l'air obnubilée parce qu'il y a un médaillon qui a disparu. Oh ouais, un médaillon ? Obnubilée parce qu'il y a un médaillon qui a disparu. Il a quoi le médaillon ? Disparu. Ah. Hey, t'as une idée d'où est-ce qu'il aurait pu disparaître ? Non mais voilà, ça c'est pas notre affaire, c'est pas notre souci. On a un cadavre sur les bras. Si, ça peut être... lié éventuellement à sa mort, on ne sait pas. Peut-être quelqu'un aurait pris ce médaillon. Effectivement, entre nous, c'est moi qui l'ai pris, parce que je trouve ça très, vraiment très bizarre, ces trucs avec ces reliques à l'intérieur, d'accord ? Je vais essayer d'aller en savoir plus sur ces objets. Ils sont quand même étranges, non ? Donc j'en ai pris un, on va aller poser des questions au temple ou ailleurs pour savoir ce que c'est exactement, et puis voilà, c'est tout. Oui, sinon tu le poses. Et je le ramènerai plus tard. Et on le décrira, ou tu le vendras plus tard. Je sais pas si c'est vraiment une piste, ton truc. Les reliques, Gaëtan. En tout cas, il y a une femme chelou qui fait le ménage dans une maison où il y a un cadavre. Une femme chelou. Elle est chelou parce qu'elle a un balai. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elle est chelou. Je comprends. La
Elle est C'est la façon de dire Blizzard dans... Elle est sedou. Toi, t'as pas voyagé, toi, hein? Oh, bien plus que tu n'imagines. Bon, et, du coup, et moi, je descends voir cette femme, justement, qui est en train de passer le balai. Qui est en train de nettoyer le plancher, là, qui vire toute la poussière venue de l'extérieur. Excusez-moi. Oui. Bonjour, madame. Oui. Nous étions des employés d'Astérax. Ah, vous êtes avec la Félice, la voleuse? Tout à fait. Ouais. T'es en haut. T'entends pas. Et c'est une très bonne non, oui. Non, mais c'est juste... Donc, l'escalier. T'as juste un truc de en fait, genre. Et donc, comme je vous le disais, nous enquêtons sur... la mort du père Astérax, oui. Exactement. Fort malheureux événement. Est-ce que... vous savez s'il a reçu, vu que vous avez l'habitude d'être ici... Vous avez je vis ici avec lui. Est-ce qu'il a reçu de la visite récemment, ou des personnes, ou est-ce que vous avez entendu éventuellement une discussion agitée, ou est-ce qu'il aurait des raisons... À part son assistante, Dayanara, qui lui rend visite tous les matins, ma foi, non, personne. Ni moi, ni Gorg, le jardinier qui entretient le jardin. Ah, il y a du monde ici. Bien entendu. Moi, je suis descendu entre-temps, et je dis juste... Il y a des rats dans la maison. Oh, grand Dieu, non. Cette maison est impeccable. Entretenue jusqu'au moindre recoin, bien évidemment. J'en doute pas, madame. Juste, récemment, vous n'avez pas vu de rats. Bien, il y a des rats dans la rue régulièrement. Cette engeance se reproduit particulièrement dans ces périodes extrêmement agitées où les gens, tous ces visiteurs venus de contrées lointaines s'amusent à jeter des ordures dans la rue et à les laisser là et à permettre à ces bestioles de... Ah, excusez-moi, je déteste les rats. Moi, je suis sur les escaliers. Je suis retournée voir le corps pour voir... Tu nous as informé que tu avais vu... Oui, bien sûr. Pour voir si ça peut coïncider avec une morsure de rat, si ça peut être les dents d'un rat. On verra ensuite. D'accord. Juste, quand elle réagit comme ça, je me dis juste, bon, elle s'énerve parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la propreté. ouais, c'est juste... Oui, non, clairement. Il n'y a pas... Je me dis pas... Tu vois, je déteste les rats, je déteste la saleté, je déteste le désordre. Ça brille, quoi. Ça brille. Ok. D'ailleurs, effectivement, c'est vrai que ça brille, quoi. Enfin, la maison est très, très bien. C'est impeccable. En descendant dans les escaliers, je dis juste à Telmen. Ouais. Je dis juste, s'il y avait eu des rats, je l'aurais senti tout de suite. Et je me dirige du coup vers le jardin. Moi, je te suis. Et j'essaie de trouver l'homme du jardin. Le jardinier. Le jardinier. Qui est en train de... Bah, lui, il est en train de... qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, juste pour info, entre-temps, du coup, j'ai remercié cette dame. Je les ai suivis. Et puis, en arrivant tout de suite dehors, je regarde, voilà, le côté impeccable de ce jardin. Au moment où tu pars, elle te dit juste « Pensez à remettre la relique. Elle appartient au temple. » Ça sera fait. Bonne info. Merci. Et elle continue. Pour votre information, mais il est mort. Pendant la nuit, j'ai cru que c'était un cauchemar, mais je l'ai personnellement entendu hurler cette nuit, de peur. Et vous l'avez entendu dire quelque chose? Non, juste hurler et le cri s'est arrêté. Ma foi, je n'ai rien entendu de plus. Ce n'était pas une agonie, ce que j'ai dit aux gardes quand ils sont venus, enfin aux hommes du temple quand ils sont venus, mais ce n'était pas une agonie. On aurait dit un cauchemar. Il a crié, vous êtes venu le voir? Je ne rentre pas dans sa chambre sans son autorisation. D'accord, donc du moment où il a crié, il s'est encore passé les autres heures de la nuit. Quand on était en haut, la fenêtre était fermée. Oui, vous n'avez pas plus regardé que ça, honnêtement. Bref. C'est dans le jardin. Telmen, je te laisse aller parler aux jardiniers. Moi, je vais regarder s'il n'y aurait pas des rats dans ce jardin. Dans le jardin, tu vois effectivement... Alors, c'est un grand demi-orc qui est en train de tailler un buisson. Mais tu sens qu'il a...
Il n'y a pas d'énergie dans ce qu'il fait. Il a l'air un peu abattu, un peu. Il ne va pas avec. Il le fait parce qu'il faut le faire, mais pas avec grand enthousiasme. Je m'approche de lui et je m'adresse à lui en orque. En lui disant, justement, en lui disant. Mais ça n'a pas l'air d'être un sacerdoce, cette histoire. Il y a le mot sacerdoce dans le vocabulaire orc. Il y a une passion. Pas, ouais. Ça n'a pas l'air d'être une passion. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait cette nuance-là. D'accord. Bon, en orc, je lui dis non, ça a l'air passionnant ce que tu fais. Ça a l'air de te passionner ce que tu fais. Pardon, vous êtes qui? Je me présente, donc je suis Telmen. C'est un des hommes qu'employait Astérax pour ses affaires. Ah, vous êtes là parce que... On est là parce que on avait rendez-vous avec lui ce matin et on a été prévenu par son assistante. Donc on est venu voir ce qui s'est passé. Sale affaire, sale affaire. Les guérisseurs ont dit qu'il était mort de manière naturelle, mais Miana, la gouvernante, a entendu crier ce nuit. Alors, autant dire que moi, j'y crois. T'as entendu quelque chose, toi? Non, j'ai un sommeil de plomb. Enfin... Tu vis ici, sur place? Ouais. J'ai une petite chambre sur l'arrière, là, dans la petite cabane. Si, j'ai... Cette nuit, j'ai entendu un gars qui jouait du luth. Un gars qui jouait du luth? Ouais. Et... T'as des rats, des fois, dans le jardin? Non. Bon. Non, ça... Jamais ici. Juste un gars qui jouait du luth. Bah, en tout cas, un gars ou une nana, j'en sais rien. Quelqu'un, quoi, tu vois. À peu près à combien d'ici? À 5 mètres, 10 murs de... C'est dur à dire, ça, c'est très dur à dire, mon gars. J'étais en train de dormir, enfin, j'étais en train de m'endormir. J'étais au lit, et tout à coup, j'ai entendu un truc, une petite mélodie. Et voilà. Ça venait pas de la maison, ça, j'en suis sûr. Le jardin, en fait, nous, on est arrivé par la rue, ouais. On est rentré dans la maison. Ouais. La maison, elle traverse donc le pâté de maison pour c'est donner sur le jardin intérieur. Qui est lui-même encadré par trois baraques. Ouais. D'accord, donc c'est trois murs. Il n'y a pas c'est de. Il n'y a pas, il y a rien qui permet d'accéder au jardin derrière. Les murs sont hauts ou pas y a... Ouais. On est à facilement deux à trois étages sur chaque bâtiment. Deux à trois étages sur chaque bâtiment. Et quand il a dit qu'il n'y avait pas de rat dans son jardin, moi, là, en faisant le tour, j'en trouve pas un. Mais tu un rat dans le jardin. Mais on comprend pas, nous. Oui, par c'est contre... ça. Non, mais je voulais juste savoir si j'en avais trouvé un ou pas. Moi, je vois ce que tu es en train de faire. Je te dis juste, regarde s'il y a des crottes. Je cherche. Crottes dans pas le de crottes. Bon, alors, juste, je te dis, je sors de la maison quelques minutes. Trop bien. Mais tu remets la relique avant. Mais je reviens. Tu remets la relique. Je reviens. Mais je tu sors, remets la relique. Et je vais dans la rue. Parce que je vais essayer de trouver un... Moi, je cherche vraiment un rat. Je veux trouver un rat et le choper. Voilà. Donc, je vais dans la rue, je cherche. Je vais dans les recoins. Je vais derrière une baraque, donc une petite rue, dans un machin. Oh, mais non, mais ça, pas sagesse. C'est la perception, ça, déjà, ça. Je change de dé. Voilà. 18 moins 1, 17. C'est bien ça. Et effectivement, tu vas apercevoir un petit rat qui est à l'entrée d'une ruelle entre deux baraques. Ok. Et ben là, je me mets en chasse. Fais-moi un jet de dextérité. Comme ça. Fais-moi un jet de dextérité. Et s'il je le te chope. Plaît. Bien allez, sûr. Chope le rat. Je le chope dextérité. Allez. Oh non, 5. Et en fait, tu te mets en chasse. Tu commences à approcher. Ridicule. Et tu vois, tout à l'heure, oui, effectivement, oui. Les gens se regardent un peu bizarrement, d'ailleurs, parce que tu arrives en faisant... Tu vois. Essaye d'être discrète, désespérément. Ah, et là, tout à coup, tu vois le petit rat, comme ça, qui lève la tête. Et qui part en courant. Je le course. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de crossover entre tous nos univers. Ouais, c'est vrai. On est dans la élite, mais encore un tout petit peu dans monstre. Ouais, c'est vrai. Légèrement. C'est vrai. Fais-moi un jet de dextérité. Allez, vas-y. Ouais, 18 plus 3, oui, 21. Et tu te mets il à va courser. Arriver à le choper. Hein. Tu te mets à le courser, il va commencer à t'entraîner, en fait, à travers les ruelles.
Il court vite, hein. Il court vite, le petit. Mais tu cours vite. Mais il court vite. Il va t'entraîner à travers les ruelles. Tu prends à gauche, enfin, il prend à gauche, prend à droite. Mais tu sens qu'il essaie vraiment de t'échapper. Il passe entre des caisses, il passe à côté d'une petite carriole, dessous, etc. Mais moi, je suis hystéro, là. Et vous, vous entendez juste des cris de chat à l'extérieur. Je suis toujours avec le demi-orc, comme ça, je la regarde. Il s'éloigne. Des cris de chat qui s'éloignent. Ouais. Moi, j'étais dehors, justement, aussi. J'entendais juste les... Parce qu'il parle en orc et tout, moi, je comprends pas. Donc, je suis là... L'autre qui est parti, j'entends... Et je re-rentre dans la maison. Parce qu'en fait, ah oui, de dehors, avant de rentrer, de dehors, je regarde du jardin. Je regarde la fenêtre de la chambre. Ouais. C'est la fenêtre du bureau. Ah, c'est le bureau qui n'est pas la chambre. Oui, c'est le bureau. Le bureau donne sur le jardin. C'est moi qui suis dans la chambre. Tiens, encore ? Bah oui, j'y suis retournée. D'accord. Alors, je reste pour l'instant un peu désespéré. Ouais, voilà. Mais fasciné par l'entretien de ce jardin, je sais qu'il est en train de... extrêmement bien entretenu, vraiment. Il y a un petit potager au fond, les parterres de fleurs sont très bien entretenus, les arbres sont taillés. Les buissons sont taillés, c'est vraiment, il y a énormément de soins qui a été apporté à ce jardin. Je l'ai attrapé ou pas ? Je dis juste au demi-orc, c'est toi qui t'occupes du jardin ? Bah ouais, ça m'apaise. Le père Astérax m'a trouvé dans une taverne, j'étais en train d'écraser la tête d'un gars sur une table. Et on a discuté. Ouais, les plantes, ça m'apaise. Ça a bien avec son. Mais là, ça a l'air de te saouler un petit peu, là, ce que tu fais. Non, c'est juste que. La maison est au temple, alors. Père Astérax est mort. Déjà que c'est pas le truc le plus joyeux du monde, mais en plus, on va avoir un nouvel employeur. Les gars de l'oiseau de feu sont pas toujours très sympathiques, si tu vois ce que je veux dire. Après, si les plantes, ça t'apaise, mon camarade là-bas, Bérald, il peut peut-être, tu vois, t'aiguiller vers... Il a un jardin. Pouf ! Si t'écoutes Bérald, tous les jardins sont son jardin, si tu veux. Et moi, je les regarde, tu sais, je les vois, je suis là. Je comprends pas ce qu'ils se disent, mais du coup, je suis là. Hein, Yann, là. Il est en train d'apprécier ton travail, là. Il le regarde. Je suis en train de regarder le potager. Il a quand même l'air bizarre, ton... C'est un humain, c'est un druide. Ah, d'accord. Ah, je vois. Il cultive des champignons, tout ça, tout ça. Et il parle au caillou. D'un coup, vous entendez juste... je regarde le potager en mode... Ouais. Mais ça n'empêche que si tu cherches un jardin à cultiver, il pourra peut-être t'aiguiller. Bref. Je retiens. Si jamais il y a quoi que ce soit qui te revient à l'esprit, tu nous trouveras sûrement au poisson joyeux. Ouais, je vois. On a nos petites habitudes là-bas. C'est là-bas que j'ai écrasé la tête d'un mec sur une table. Classique. Fais pas attention à lui. Tu demandes Thelmen. Thelmen. Gorg. Enchanté, Gorg. Et je le laisse. Mais je remonte à l'étage. Et moi, en fait, je le suis, je salue Gorg, tu vois, en passant. Et tu te regardes un peu de l'air légèrement dubitatif. Et en fait, je suis Thelmen et je dis, t'as vu ça, Thelmen, c'est fabuleux. C'est fabuleux ce qu'a fait cet orc ici, c'est fabuleux. Tu as vu ce jardin comme il est entretenu, tu as vu les légumes dans le potager, tu as vu les fruits, tu as vu les couleurs, l'odeur. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a fait. Sensationnel. Ça l'apaise, les plantes. Il s'éloigne comme ça. Qu'est-ce que... Et où est Bismine ?
Bismine. Là-haut, je crois. Je l'ai pas vu en descendant. Je vais aller voir ce que fait Gitane. Je t'attrape par le bras, juste. L'orquin, le demi-orquin a entendu un luth cette nuit, au moment de s'endormir. Un luth. Quelqu'un jouait de la musique cette nuit. Quelqu'un jouait de la musique cette nuit. Et un luth. Où? Des rats. Un musicien et des rats. Tu connais cette histoire? Tout le monde peut jouer de la musique sans forcément guider les rats à travers la ville. Oui. Pardon d'essayer de faire des rapprochements. Pendant ce temps. Et pendant ce temps, toi, tu finis de courir après le rat, tu finis par le choper. Tu, heureuse, tu te redresses comme ça et tu t'aperçois que... Où est-ce que je suis? Seul avec ton rat dans la bouche. Je me le mets dans les mains, dans les pattes. Puis je me rends compte que je vais aller plus vite si je me déplace à quatre pattes. Donc je me le remets dans la gueule et j'essaie de refaire le chemin inverse. Fais-moi un jet de perception, de sagesse. Enfin, de sagesse. Jet de chemin. Allez, sagesse. La sagesse. Sagesse, c'est toujours pas mon truc, mais j'aime quand même. Oula, eh ben, 9. Ça a bien rebondi. Tu commences à essayer de retracer tes pas, mais... Non, la main, c'est perdu. Le one shot, où elle est paumée. Là. Hey, oh. Merci, c'était tout pour Mélie, voilà. Où est-ce que je suis? Et vraiment, ça va ça te va prendre être un utile, petit moment. Ça va être utile. Mais oui. Mais attends, mais ça on connaît bien la ville, quand même. Hein? On connaît bien la ville. Ouais, mais la ville, c'est un labyrinthe. Plein de ruelles de partout. En fait. Et là... Elle était tellement obnubilée par son rat. Mais elle l'a bouffé, en fait. Non. Ah non, je te le ramène. Non, mais d'ailleurs, il est en train d'agiter ses petites pattes. C'est un harmonica, non? Je le... C'était presque aussi bien en imitation d'instrument que Chloé. Oui. C'est vrai. Je pense qu'on a le même genre d'énergie sur les instruments de musique avec Mélie. Et on va organiser des battles d'instruments. Mais bref, tu vas mettre un petit moment avant de retrouver ton chemin, parce que en fait, tu tournes. Il t'a fait partir dans des ruelles. Tu sens qu'il voulait en fait trouver vraiment un endroit pour se planquer. Et tu ne sais pas où tu es. Donc ça, tu vas te retrouver, mais ça va mettre un petit peu de temps. Pendant ce temps. Dans la chambre, alors que tout ça se fait. Toi, même chose, tu reviens dans la chambre et t'entends juste... Et qui s'éloigne comme ça. Bah, du coup, je regarde par la fenêtre. Enfin, déjà, je regarde si elle est ouverte. S'il y a quelque chose qui est particulier au niveau de la fenêtre. Moi, j'ai de sagesse. Allez, allez, allez. C'est ça qu'on veut. 16. Ouh. Plus 0, 16. Tu vas vers la fenêtre qui semble fermée. En fait, jusqu'au moment où tu t'approches, tu te rends compte qu'elle est très légèrement entrouverte. Comme si le bas du loquet de la fenêtre en fait, avait été forcé. Mmh. Pas pour l'ouvrir complètement, donc elle est toujours maintenue. Oui. Mais il y a un léger espace. Mmh. Ok. Et donc, tu es obligé quand même de l'ouvrir. Bah, j'ouvre la fenêtre. Au moment où tu ouvres la fenêtre, tu vois ta camarade. Félix, qui est en train de courir à quatre pattes dans la rue et qui s'éloigne et qui prend une ruelle en hurlant. J'ai pas le temps de l'appeler, enfin non, voilà, elle part quoi. Okay, elle est déjà partie. Ben, je regarde un peu ce que je vois de cette fenêtre, quel bâtiment. C'est en fait, ça donne directement sur la rue. Il y a évidemment des bâtiments en face, mais ça donne directement sur la rue. T'es au deuxième étage. Deuxième étage. Ouais. Quelle hauteur, à peu près? Ben, ça fait quoi? Ça fait 6 mètres à peu six près. 6 mètres, 7 mètres. 7 mètres, ouais, c'est ça. 7 mètres en étant sur le... Donc quelqu'un aurait pu... Quelqu'un peut escalader. Je regarde un petit peu comme ça, voir si on peut... Quelqu'un qui sait escalader, oui, peut escalader. Peut éventuellement escalader la façade. OK. Je reviens vers le corps d'Astérax et je regarde sa morsure, voir si ça peut coïncider avec une petite dent de rat. Peut-être. 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 Pourquoi pas? Effectivement, il y a deux points qui ressemblent vraiment à... Okay. Comme une pince, quoi, en fait.
Je regarde par terre dans sa chambre et dans son lit, s'il n'y a pas des crottes. Non. Et les draps sont normaux, c'est pas déchiré, c'est pas... Je vois rien d'autre, quoi, ça. Pas de déchirement, c'est vraiment tout est calme à part ça. D'accord. Et ben dans ce cas-là, je redescends. Je rejoins... Et tu les croises en train de monter. Ouais. Ouais, t'as okay. Combien en def, Mélie? 15. Allez, aïe. Ah, attends, il est sur le, il est cassé, je relance, il est sur le tête de truc. Ah. Des fois, il vaut mieux pas 18. Relancer. Non, mais il était vraiment entre deux trucs, quoi. 18. 18. Ouais. Tu, en fait, t'es en train de ramener le rat, et le rat, à un moment, se débat. Et va te mordre la main. Et au moment où il te mord la main, tu sens quelque chose. T'as l'impression d'avoir tout à coup t'as la vision qui se trouble très légèrement. T'es obligé de respirer un peu. Si tu te retrouves à fais-moi un test de dextérité. Je veux voir si tu le lâches ou pas celui-là. Ah, parce que moi j'allais dire je peux réagir justement. Je vais te demander si je pouvais réagir. 19 plus 3, 21. Ouais. Tu as le réflexe de ne pas le lâcher, de le serrer un coup pour ne pas le laisser partir, alors qu'il se débat. Et puis la sensation passe. Ok. Je lui mets un coup dedans pour le tuer. Et je retourne, je continue à retourner. Tu mets un coup dedans? Oui. Refais-moi un test de constitution, s'il te plaît. Saloperie. Bien sûr. Attends, faut bien savoir ce que ça a. Bon. Constitution. Ouais. 14. Ah. 14. Arrête. Oui. Ok. Merci. Je vais bientôt mourir. Il fallait bien qu'il y en ait un qui meure dans cette partie. Qui se perd et qui meurt. C'est quand même un combo. Pour l'instant, tout va bien. Le moi, rat je est ne mort. Fais pas de fumble, ouais. Moi. Le rat est mort. Le rat est mort. Ouais. D'accord. Et tu et le temps que tout ça se passe, effectivement, tu vas les retrouver alors que... Je suis en train de descendre. Voilà, toi, t'es en train de descendre, tu es en train de monter. On va finir par rentrer chez Astérax. Est-ce que tu as regardé dans la chambre... Il y a un truc bizarre au niveau de la fenêtre. Ah, c'est ce que je montais voir, justement. Le loquet avait été cassé. Quelqu'un est passé par la fenêtre. La fenêtre était ouverte ou fermée? Elle était ouverte. Non, elle était fermée. Elle était légèrement repoussée. Ok. Donc ça laisse une petite ouverture, mais de cette taille-là, quoi, à peu près. D'accord. Ah oui. Non, de quoi laisser passer un animal. Peut-être un animal. Ils ont besoin de rien du tout pour passer. Ouais. Et ça escalade facilement aussi. Il n'y a rien d'autre de suspect dans la chambre à part ça. Moi, j'arrive pendant qu'il parle ça. Moi, j'arrive comme ça, tout essoufflé. Je l'ai eu. Je pose un rat, un cadavre de rat. Alors, et cette saloperie m'a mordu. Alors? Et ça fait mal. Et ça fait des trucs. On voit que ça ressemble à la morsure. Ça fait des trucs bizarres aussi dans les yeux. Et je dois vous dire que je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup couru. Mais je me sens pas très bien. Il était un assiette-toi. Donc je me mets en rond, je me mets en boule. La première chose, tu vas me rendre la relique que tu as dérobée. Je vais prendre cette relique qu'elle a dérobée. Je reprends la relique que je replace sur l'étagère. Mais c'était deuxième en bas, chose. Non? Comment? C'était en bas qu'elle l'a pris, c'était pas... Oui, mais on est sorti de la chambre, on est redescendu. Ah, on est redescendu. On t'a croisé dans les escaliers, puis on est redescendu dans l'entrée, du coup. Okay. Donc je replace la relique. Je prends le rat en me disant pas que la femme de ménage le voit tout de suite parce que sinon elle va devenir folle. D'ailleurs, t'entends le bruit du balai. Garde-le, il faut qu'on le sache. Très bien, oui. Je le cache, le rat. Il faut qu'on le fasse analyser au niveau magique, qu'on sache s'il y a un enchantement dessus ou autre chose. Sur quoi? Sur le rat. Il y a peut-être plus une histoire de poison. Et je retombe dans mon truc.
Attends, mais donc toi, t'es resté en haut, tu dors Moi, je suis en bas. Non, non, elle est avec nous, elle s'est assoupie à côté de nous. D'accord. Elle s'est assoupie à côté de nous. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on décide ? Attendez un instant, je retourne voir Gorg dans le jardin. Mmh. Gorg ? Ouais. Ton luth ? Ouais. Plutôt côté rue ou là, côté jardin ? Moi, je dors au premier étage, côté rue, alors certainement peut-être côté rue, ouais. Du coup, là, j'ai le rat comme ça. Je m'assois juste dans le début de l'escalier. Je m'assois, je dis « Surveillez-moi ». Et j'ai le rat comme ça. Et d'un coup, ça fait les yeux qui deviennent blancs. Et l'esprit qui se projette à l'intérieur du rat qui est là devant moi. Mmh. Et j'essaye de rentrer en contact avec pas son esprit, mais voir, tu vois, son corps et tout. Si j'arrive à prendre possession de son corps, est-ce que... Le problème, c'est qu'il est mort, en fait. Et je peux pas essayer, non, quand même, moment, dès qu'il... Ouais, d'accord. Non, mais je pensais, tu vas peut-être essayer de... Non. Bon, bah, du coup, je suis là. En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu puisses contrôler son esprit, et son esprit est déjà parti. D'accord. Ce n'est plus que de la chair. Ok, donc ouais, donc je sens pas non plus qu'il est habité par quelque... Enfin, j'arrive pas à sentir... D'accord. Ah, il n'est habité par rien, très clairement, il n'y a plus d'esprit à l'intérieur, c'est un rat. D'accord. Mort. Ok. Donc je suis là, j'essaye et tout, et en fait, bon, je vois que, en fait, bon, il est mort et que je n'arrive pas à projeter mon esprit à l'intérieur de lui. Je la regarde à côté, qui est assoupie. Bien la patte en avant où j'ai la morsure. Ça fait mal. Donc c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire du coup Ses rats auraient été contaminés, auraient été empoisonnés, ensorcelés. Je reviens. Je sors. Mm-hmm. On est dans le quartier commerçant. Ouais, vous êtes sûr. Il y a plein cœur du quartier, plein de gens. Moi, j'utilise mes capacités de survie en coupe-gorge là, pour essayer de trouver gang, bandit, pour essayer de trouver un indique. Ou, je sais pas si c'est cette capacité que je peux utiliser, ou pisteur urbain. Oui, le Ribbler est capable de pister une créature en milieu urbain en observant les éventuelles traces, mais aussi en interrogeant les passants et les témoins pour réussir un test de sagesse. J'interroge les gens par rapport à un éventuel joueur de luth. Est-ce que les gens ont entendu et est-ce que les gens ont vu? Et si les gens ont vu, est-ce qu'ils pourraient me donner des indications sur une direction à suivre, une piste à suivre? Fais-moi un test de sagesse, du coup. 12 et 2, 14. Attends. T'as pas de points supplémentaires? Si. Ah. Et Ribbler gagne plus 1 par rang dans cette voie au test de sagesse perception. Ah. Non. Non. Plus 1 par rang en sagesse pour parlementer avec des gangs ou des bandits. Non. Non. Du coup. Du coup, 14. Du coup, 14. Du coup, non, tu vas passer un petit moment effectivement à poser quelques questions. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Vraiment qui sont de passage, donc il va falloir le temps de trouver les gens qui sont plutôt du coin, vraiment. La seule chose que... Un des gars qui vit, en fait, en face, te dit « Ouais, j'ai bien entendu, hein. Ils sont de luth, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai pas vu de mec avec un instrument, vous voyez, mais... Par contre, j'ai vu un gars vraiment bizarre. Il avait une espèce de costume un peu tout bariolé. Avec des losanges de couleur comme ça, et puis une coiffe un peu bizarre et un masque. Coiffe bizarre, c'est-à-dire On aurait dit qu'il avait des cornes en tissu sur la tête avec des grelots. C'est ce que je veux dire. Un farfadet, quoi. Peut-être, je ne connais pas les farfadets. C'est quoi? Ça se mange? Non. Si. Ça dépend. Bref. Voilà. Bon, merci. Une direction dans laquelle il est parti? Quelque chose? Je l'ai vu traîner dans le coin, puis il a pris la ruelle par là-bas. Il est resté longtemps?
Bah, moi, vous savez, j'ai juste regardé quand, quand j'ai vu de la lumière. Enfin, j'ai entendu de la, du son, pardon. J'ai un peu bu aujourd'hui. Il y avait juste ce Farfadet, on va l'appeler comme ça, qui jouait du luth. C'est son nom? Ah, ouais. Et quelque chose d'anormal, des rats, des piaillements, des crissements. Alors non, à part lui, parce que c'est pas très normal de voir un gars comme ça dans le coin. Et est-ce que juste après, vous auriez entendu un cri? Ah oui, ça par contre, enfin, pas juste après, mais dans la soirée, ouais. Longtemps après? J'étais au lit, j'aurais pas vous dire. Mais je ne m'étais pas encore endormi, alors pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Un peu. Merci, l'ami. De rien. Et je rejoins mes camarades. Donc toute la question maintenant est, que faites-vous? Bah du coup, toi, t'étais dans le jardin? Non, il vient d'arriver. Non, il était dans la rue, il vient de rentrer. Okay. Du mal. Vous êtes tous ensemble, vous êtes toujours chez Astérax, donc que faites-vous? Moi, je te vois discuter avec l'homme dehors et tout. Le langage des animaux, est-ce que ça me permettrait de justement me lier, en fait, tu vois, avec un rat, voir un petit peu ce qu'il fait, voir, enfin, je sais pas, est-ce que ça pourrait m'aider là-dessus ou pas? C'est quoi exactement ta capacité? Je juste pas dire... Ouais. Hop, langage des animaux. Tac. C'est assez basique comme lien. Tu vois, c'est un peu genre mange, vol. Oui, c'est plutôt un côté. C'est pas forcément que tu parles aux animaux, c'est juste que les animaux comprennent ce que tu veux, en fait. Et tu vois. Ouais, donc ça va. Ça... Ouais. Bon. Ok. Moi, je. Évidemment, le rat en question que j'avais, je le glisse dans ma sacoche. Faut qu'on aille analyser ça, faut qu'on regarde. Je m'approche de Guitane pour voir dans quel état elle est. Est-ce qu'elle semble. Parce que je vois qu'elle a été mordue à la patte. Ouais, mais c'est juste l'heure de la sieste, apparemment. D'accord. À part ça. Parce qu'on a vu qu'elle nous a montré qu'elle a été mordue. Oui, il y a une petite morsure, mais c'est pas. Mais du coup, nous, on a fait le lien avec la morsure. Bah, en tout cas, c'est à la même tête. Bon. C'est le même animal qui a mordu. Okay. Pas le même animal, le même type d'animal. Bon. Non, et moi, je reviens de la rue à l'extérieur, je vous explique ce que le mec m'a expliqué, enfin, m'a dit, les informations qu'il m'a données. Mm-hmm. Et. Guitane proposait d'aller au temple, mais je sais pas si c'est là-bas qu'il faut aller, qu'on trouvera le plus d'informations. Je pense qu'il faut trouver ce joueur de luth. Ouais. Et vu comme il est sapé, on devrait pouvoir, là, peut-être, avoir des informations sur lui. Ouais, mais on sait pas trop dans quelle direction il est parti, ça va être compliqué. Vu l'organisation de la ville... Écoute, s'il mène ses attaques avec des rats, il y a de grandes chances. Qu'il soit dans les souterrains. Que ça vienne du cloaque. Alors, personnellement... Et ça serait pas déconnant. Je veux dire, on est à l'approche du soleil d'or. Peut-être que c'est le moment où les forces de l'empereur pourraient avoir envie de marquer un gros coup. Moi, personnellement, je suis jamais descendu dans le cloaque. Moi, personnellement, je suis déjà descendu et remonté plein de fois du cloaque. De sagesse, s'il te plaît. Ouais. Donc, temple, 17. Cloaque. Pendant que vous êtes en train de parler, toi, tu aperçois au détour d'une rue un costume totalement bariolé qui semble tourner au coin d'une ruelle. Là-bas, vous l'avez vu, il vient de passer. Quoi, l'homme que tu as décrit. Je me mets à courir immédiatement dans la direction qu'il indique. Ah bah pareil, moi je file aussi. Faites-moi un jet de force, alors, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je suis toujours à côté de Guitane que je réveille. Guitane. Guitane. Quoi? Comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Oui. Bon, on peut y aller. Oui. Allez, en avant. 15 et 3, 18. 3 plus 0, 3. Il faut le faire, nous aussi? Ah bah, si vous courez, oui. Ouais, du coup, oui. On court? Ouais. Je sais pas où, mais je cours, je le suis. Ah! Et c'est de 3. Force, tu dis 3.
Oh non, c'est dégoûté. Bon, ça, bah, ça fait le gling-gling. Bah, ça fait 16. On aime bien le gling-gling. Ça arrive, un gling-gling. Voilà. 9. 9 et toi ? 3. 3. Ouais, c'est bien. Tous les trois, vous vous mettez à courir, mais avec le monde, avec les gens, c'est difficile. Vous avez du mal à vous frayer un chemin. Toi, effectivement, par contre, tu piques un sprint. T'arrives au coin de la ruelle et tu vois cet homme, effectivement, dans un costume de, espèce de costume bouffon, totalement bariolé, qui est en train de, avec un petit sceptre à la main, qui est en train de marcher en sautillant au fond de la ruelle et qui tourne. Et quand il tourne comme ça, tu vois qu'il disparaît puis qu'il réapparaît. Il te regarde. Il a un masque blanc. Et il repart. Je poursuis. Est-ce que je peux prendre un petit peu de hauteur ou pas? Est-ce qu'il y aurait des... Là, ça va être difficile. Là, c'est compliqué dans ces ruelles-là. Ouais. Je continue ma course pour continuer à essayer de le poursuivre. Et de toute façon, je pense que ça aurait pas trop de mal, puisqu'il a l'air de m'attendre et de vouloir m'emmener quelque part. Effectivement. Vous arrivez dans la ruelle au moment où vous le voyez tourner au fond de la ruelle. Il est déjà parti, là. Voilà, c'est à peu près ça. Okay. Pendant que toi, tu maîtrises ton sprint sans aucun problème. Et en fait, il va te ramener comme ça, à travers les ruelles, jusqu'à une petite place. Juste pendant que je cours, du bout de mon du bout de ma dague de temps en temps, ouais. Tout en courant, j'ai ma dague et de temps en temps, je mets une escarmouche comme ça sur les murs pour laisser des traces à intervalles très réguliers pour mes compagnons. Oui, bien. Hop. Et comme on a l'habitude que tu fasses ça, on te retrouve facilement. Oui, mais vous le voyez un peu de loin, en fait. Vous, à chaque fois qu'il va bifurquer, vous arrivez, vous, à l'entrée de la ruelle. Et c'est un peu ça, ouais. En plus, ça commence à monter. Ça commence à monter, tu vois. Et là, vous êtes dans une pente, ouais. Une bonne pente. Vous allez passer sur des escaliers. Enfin, c'est vraiment moi, à mon âge. C'est pas agréable. Et t'arrives sur une petite place avec une fontaine. Il est assis sur la... Donc, c'est une fontaine avec un poisson comme ça, qui est très élancé, qui remonte, qui est sur une sorte de piédestal, qui remonte comme ça en pierre, avec l'eau qui sort par sa bouche. Et il est assis sur le haut de la tête du poisson, les jambes croisées, le sceptre sur les épaules, sur le sceptre, sur les genoux. Et il te regarde. On est à combien de distance, là ? Tu es à une dizaine de mètres de lui. Alors comme ça, on aime la musique. Il te regarde. Écoute, Pépère, je vais pas avoir la patience. Mauvaise soirée, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu veux ? Et tout à coup, au moment où tu lui dis ça, son masque se transforme et prend ton visage. What? Pourquoi les reins? C'est une bonne question. C'est toi, avec le luth, qui dirige les reins. Est-ce que j'ai un luth? J'ai un sceptre. Un costume. Un chapeau. Alors, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Ou le tien. Oh là là, pourquoi ça tombe sur moi? Il aurait fallu que ça tombe sur Beralt, ça. Beralt qui arrive. Et donc tu vois ton compagnon. Et ton compagnon. Alors que, d'ailleurs, tu te rends compte que son costume bariolé s'est transformé. Et qu'il te ressemble. Beralt. C'est pas drôle. Monsieur l'Arlequin vient de prendre cette apparence. L'écoute pas. C'est pas moi là. C'est lui. Il y a 3 jours, toi et moi, dans la taverne, t'as perdu au dé
était parti avec une jeune femme. Elle t'a volé ta bourse. Tu m'as appelé. Et je suis venu à ton secours. Ce matin, dans la taverne, j'avais mal à la tête. Je t'ai demandé si t'avais des petites feuilles à mettre dans le thé. Et après, tu m'as fait un truc avec ton doigt. Et ça faisait du bien. Alors que l'autre, elle a joué de la flûte. Et ça faisait pas du bien. Moi, je peux arriver à ce moment-là. Ouais, mais t'es là aussi. Ah, je suis là. Et... Ah, moi, je suis là aussi. Bah oui. Et qu'est-ce que tu fais perché là, sur cette fontaine? Merci, Bérald. J'ai couru jusque-là. J'ai essayé de l'attraper. Il s'est échappé. Qui ça? Et donc, je me suis échappé pour venir attendre ici, à côté de toi. Logique, imparable. C'est une ruse. Bérald, l'écoute pas, c'est une ruse. Moi, je m'approche de Thelmen. Et je le sniffe comme ça. Très discrètement. Là. Il a l'odeur de Thelmen. Voilà. Et du coup, je fais signe à Bérald et en lui disant genre... C'est Thelmen. C'est une illusion. Moi aussi, j'ai l'odeur de Thelmen, je suis Thelmen. Et pour qui on travaille alors? Astérax. Vous avez vu tous là avec moi. Vous avez vu Dayonara. Thelmen, descend de la fontaine. Descend de la fontaine. Mais ouais, bien sûr, je vais descendre de la fontaine. Et ben moi, je propose qu'on reste ensemble. Et ben moi, je m'approche du coup de l'autre Thelmen. Ouais, mais pas avec lui. Et je sens son odeur. Ah bah si, on reste tous ensemble, comme ça, d'ici un petit moment, on découvrira qui est qui. Je suis moi. Lui, c'est un imposteur. Ah, mais tu veux pas rester avec nous, toi? Bah si, si t'es Thelmen. Je m'écarte un petit peu du groupe. Un tout petit peu. C'est bien imité, ça. Hein? C'est bien imité, petit bouffon. Il me regarde là ou pas? J'attends le moment où il me regardera pas, où il discutera avec mes compagnons pour lui décocher une flèche. Moi, je m'approche quand même de lui, là-bas, et je le renifle. Il a vraiment la même odeur. Il a l'odeur de Thelmen. Bon, moi, je m'approche de Thelmen qui est près de la fontaine, et j'essaie de lui prendre ce qu'il a dans les poches. Fais-moi un jet de dextérité. Allez. Où est-ce que tu es? 9. Et 3, 12. Et 3. Il... Non. Non, non. 9 plus 5, 14. Et 3, 9 et 3, 12. Non, j'ai fait 6 plus 3, plus 5, 14. Non, t'as fait 9. T'es sûr? Oui. Oui, oui, c'était un 9. Ah bah 9, alors pardon. 12, 17. Il te... En fait, tu vas pour lui prendre les trucs qui sont dans ses poches et il va juste faire « Waouh !» Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas, t'as un truc à cacher? Quoi à cacher? Bah alors vas-y, monte tes poches. Et je profite de cet c'est échange. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que vous me faites pas confiance? Arrêtez de faire confiance à cet imposteur. Je profite aussi, de cet échange là. Dans ses poches, ah bah fouille dans ses poches. Non, d'abord je toi. Profite de cet échange pour lui décocher une flèche. Fais-moi un jet. Je suis juste devant. Est-ce que là pendant ce qui se passe, est-ce que nous on arrive à discerner quelque chose ou pas? On est vraiment on sait pas du c'est tout. C'est Thelmen. Ouais, pour nous on sait pas c'est du Thelmen tout. C'est Thelmen et c'est Thelmen. Ouais, donc si on n'a pas vu la séquence avant, on sait pas quoi. Exactement. Je suis vraiment devant et il décoche une flèche. 4 et 5, 9. Pour lui faire les poches. Et tu décoches une flèche, et en fait, c'est au moment où il est en train de lui dire « Mais ouais, mais justement, tu lui fouilles les poches, machin, etc. » Et en fait, il va bouger très légèrement. Malheureusement, t'avais vraiment visé, et ça va faire « ça va se perdre. » J'en décoche une deuxième. 9 et 5, 14. Et même chose. Ça va se perdre, alors qu'il retourne la tête, mais... Qu'est-ce qui se passe? Alors je cours vers lui, je bondis et j'essaye de lui planter un coup de dague dans la nuque. Vas-y. Pour l'attaque ou pour le bondissement? Ah bah pour l'attaque. Deux, six, huit. Et en fait, il va lui prendre sa dague. T'as combien en def? 15. Ok. Il va lui prendre sa dague et tac tac tac, on va faire ça. Plus... Non, c'est celui-là. Plus celui-là. Et il va la planter en réflexe en fait. Il la sort, il te la plante. C'est un infligeant
15 points de dégâts. Ah ouais. Ouais. Bonsoir. Ah oui, d'accord. Dans le même mouvement, en fait, il va juste te mettre un coup de tête qui t'inflige 6 points de dégâts de plus. Moi, je fonce vers celui, donc le Telmen qui vient d'abîmer l'autre. Et je sors mon épée, vraiment, et j'ai l'autre, j'ai mes deux épées courtes, j'en ai une vers lui, et j'ai l'autre vers l'autre Telmen qui est par terre, et j'ai dit, maintenant ça suffit. Eh oh, c'est lui qui m'attaque. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est un méchant. C'est lui qui m'attaque. Moi, j'ai rien fait. Je me défends. Bah, monte tes poches, alors. Qu'est-ce que t'as dans tes poches, Telmen? Il te montre ses poches. Il n'y a rien dans ses poches de particulier. Je regarde le Telmen au sol et je lui demande si ça va. Est-ce que ça... Non, ça va toujours pas. Je sais pas comment vous faire comprendre que c'est moi. Bah, c'est parce que c'est pas toi. C'est moi. Toi, c'est moi. Moi, c'est toi. Moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Moi, je suis moi. Toi, t'es pas moi. Est-ce que... Et là, que... je mets juste un coup d'épée sur l'épaule de l'autre. Fais-moi un jet d'attaque. Allez. Deux. C'était vraiment juste une petite entaille pour le sécher. C'était une petite entaille et en fait, par pur réflexe au moment où tu l'entailles, au moment où tu l'entailles, sa dague se transforme en un petit sceptre. Et il va te donner un coup. Aïe, aïe, aïe. Hop. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. T'infligeant 11 plus 8. Ah bah, je suis à terre. Et vous la voyez qui s'effondre alors que le sceptre lui percute la tempe, le côté. Pouf, votre ami Félix s'effondre au sol. Et il va juste se remettre en arrière. Vous voyez ses vêtements qui changent. Hop, 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 hop. J'en ai beaucoup plus pour chacun d'entre vous. Les gars, on se replie. Deux. On se casse. Hop, 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 hop. Ne bougez pas. Non, moi, je m'écarte, je cours. Hein. Mon bâton commence à luire comme ça, je le regarde, les yeux commencent à s'éclairer, je suis prêt à agir. Non, moi tu te barres? Ah ouais, je cours. Il va juste lancer son bâton. Ah ouais. Qui touche. Tu es nul. T'infligeant 11 points de dégâts. Bah, je suis pas morte. Et le bâton va, le set va revenir dans sa main. Du calme. Merci. C'est vous qui m'agressez, votre ami. Et pourquoi est-ce que vous avez pris l'apparence de notre ami? Parce que je suis joueur. Ah, alors jouons. Qu'est-ce que vous voulez? Moi? Ouais. Rien. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? La musique? Les rats? Oh! Alors, les rats, ce sont des bestioles à peu près aussi sales que votre compagne. Et la musique, je n'en fais pas. Sauf avec le crâne des gens qui m'importunent. Qu'est-ce que vous faites en ville? Je vais, je viens, je bouge, je marche. Je m'en dresse. On pourrait peut-être se présenter. On pourrait. Vous êtes? Vous d'abord. Telmen est calme. Enchanté, Telmen. Enchanté, monsieur. Mmh. Monsieur. Ah, est-ce que ton nom importe tellement? Ami ou ennemi? Ah, ennemi un jour, ennemi toujours. Vous voulez quoi? Je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux... que ma maîtresse ne soit pas impliquée dans la résolution de l'affaire sur laquelle vous enquêtez. Mais, parce que la présence de ce maître des rats est importune, je vous propose de le trouver à ma place. De
de le trouver à votre place. Oui. Maître des rats. Et vous cherchez bien des rats, non? Oui. Oui. Ah pendant qu'il se passe ça, je me suis agenouillé auprès de Guitane et j'ouvre une petite boîte en bois de laquelle sort une baie que je lui donne. Je ferme sa bouche comme ça et ça lui redonne 1d6+3 PV. Et du coup, je suis agenouillé, je mets la baie comme ça, je repose sa tête et je regarde le bouffon. Votre maîtresse? Oui, ma maîtresse. Qui est votre maîtresse? Ah, c'est une grande question. Oui, à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse. Toutes les questions ne sont pas destinées à avoir une réponse. Vous voulez qu'on travaille pour vous à votre place? J'aimerais savoir qui est votre maîtresse. Qui sert-on? Si vous ne travaillez pas pour moi et à ma place, alors vous ne trouverez pas l'assassin d'Astérax. Attendez, ce que je comprends pas, c'est que nous, on travaille sur l'assassin d'Astérax. On suit sa piste. Vous voulez qu'on le fasse à votre place. Donc vous étiez en train de le faire. C'est cela. Et vous ne voulez pas que votre maîtresse soit impliquée, mais elle l'est à la base ou pas? Je ne veux pas. Nous ne voulons pas que notre humble organisation soit impliquée dans les affaires du cloaque. Afin que les affaires du cloaque ne rejaillissent pas sur nos affaires à nous. Très bien. Comment voulez-vous qu'on ne vous implique pas si on ne sait pas qui vous êtes? Parce que si vous ne savez pas qui je suis, vous ne pouvez pas m'impliquer. D'accord. Peu importe mon nom, vous n'avez qu'à m'appeler Bouffon. Ça vous va à ravir? Oui, et je l'aime, ce petit nom. Si je comprends bien, vous n'êtes pas responsable, mais... certains pourraient penser que vous l'êtes et vous préférez qu'on trouve le vrai responsable. Exactement. Très bien. C'est bon pour moi. C'est bon pour vous. Ce maître des rats, à quoi il ressemble? On sait qui c'est? Attends, excuse-moi. Non, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. C'est bon pour moi. À quel prix? Est-ce que j'ai l'air d'avoir de l'argent? Ouais, mais qu'est-ce qu'on a en échange? Est-ce que j'ai l'air de travailler bénévolement? Adressez-vous au temple de l'oiseau de feu? Peut-être que de l'argent, ils en ont un peu. Vous pouvez nous aider en quoi? Sous cette fontaine se trouve une entrée. Il s'avère que c'est celle qu'il a empruntée. Suivez les rats et suivez les couloirs. Moi, je regarde du coup si Guitane reprend connaissance. Moi, je me remets sur mes pattes et j'y... J'aime pas trop ces manières. Je n'aime pas les vôtres. Est-ce que c'est une manière de faire, de prendre l'identité de quelqu'un? Je fais ce qui m'amuse, petit chat gouttière. Reste tranquille, Guitane. Vous aimez voler les reliques? Moi, les identités. Vous nous espionnez? Je vais, je viens, je vois. Je sais, je sens. Depuis quand? Depuis que vous êtes arrivé dans cette affaire. Et avant. Sachez que si vous résolvez ce petit mystère, peut-être qu'un jour, nous ferons appel à vous. Mais cette fois, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, évidemment. Je me retourne et je vais voir la fontaine pour essayer de trouver l'entrée. Pareil, moi je... Dans l'eau, dans l'eau. Eh ben moi, je saute dans l'eau et je regarde. Attendez. Moi, j'attends rien du tout. Attendez.
Attendez. Effectivement, elle saute dans l'eau et tu vois une grille qui permet à l'eau de s'écouler et qui semble assez large en fait et surtout décelée. Bah, je vais dedans. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. 9. Alors, toi, tu la vois qui se jette dans l'eau. Attends. Et tu glisses dans une espèce de tuyau assez large. Sauf que au début, tu contrôles. Ouais. Tu contrôles, tout va bien. Tu as l'impression d'être dans une espèce de toboggan. Et puis, ça commence à tourner dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et en fait, tu vas te ramasser. Est-ce que je peux rajouter plus 2 avec ma voix d'acrobate ou pas? Alors ça fait 11. C'était un peu moins pire. Tu vas te ramasser et ne perdre que 2 points de vie. Ah, ben je suis inconsciente. Voilà. Et te retrouver le mec qui dans dit, un bassin rempli d'eau, mais inconscient. Voilà. Et bah, venez me chercher maintenant. Je la vois faire ça et tout, et vraiment, j'ai vraiment les gros yeux comme ça, d'un coup, et j'attrape Bérald par ses vêtements. Je vais pas dans l'eau, moi. C'est impossible. Je vais pas dans l'eau, moi. Je passe pas dans l'eau. Guitane, je passe pas dans l'eau. Guitane, tu me fais mal. Guitane, tu me fais très mal. C'est pas possible. Tu le sais, Bérald. Oui, Bérald, je sais. J'entends ça. Tu le sais. Je chope Guitane. Dans ton armure. J'attrape Guitane par la taille et je saute dans l'eau. Non, ça va pas aller là. Tu fais griffe sur toi. C'est comme les chats qui ont peur de l'eau puis qui s'accrochent d'un coup, quoi. Et vous allez même chose, glisser, fais-moi un jet dextérité quand même. Dois-je vraiment répondre? Et tu vas... Alors, vous allez tous les deux vous ramasser en bas dans un bassin. Et en fait, vous allez tomber tous les deux sur elle. Sur Bismine. Sur Bismine qui est inconsciente. Ah oui. Comme ça. La bouche grande ouverte. Et vous allez... C'est pas le même dé. Subir. C'est pas le même dé. Mais c'est moins de dégâts. Vous subir tous les deux un point de dégâts. Un point de dégâts, ouais. Et je suis donc inconscient. Et là, 5 et moi, minutes de repos, putain, 5 Attends. Minutes, on avait dit 5 et minutes. Et moi, du coup, là, je suis toute mouillée et je déteste. Ça, je ressemble à rien quand je suis mouillée. Oui, mais en plus, t'es toute maigre quand t'es mouillée. Bah oui, c'est ça, toute maigre. Je suis en bas comme ça et vraiment... Comme les chats. J'ai toujours les griffes accrochées sur lui. Mais sauf qu'il est inconscient. Il est inconscient comme ça. Et... Oh, je le regarde avec un regard mais de haine. Et puis du coup, je les vois tous les deux comme ça. Et du coup, juste, je m'en vais. Je me décale, je vais un peu plus loin. Et j'essaie de me secouer, de me lécher. Je suis énervée. Très bien. Et toi, t'es toujours en haut. Moi, je suis en haut. Il est remonté sur la fontaine, sur la tête du poisson. Il est assis, les jambes croisées. Vos amis sont téméraires. Oui. Mon ami, quand vous en aurez terminé, cherchez la cour des miracles. Peut-être même que vous y trouverez un sanctuaire dans la cité. Qui sait ? La cour des miracles. À bientôt. Pensez à vous reposer, dit-il au moment où tu sautes. Ouais, et en fait, je... Fais-moi un jet d'extérité. Bien sûr, en avant. Oui, 19 et 1, 20. Et toi, tu es le seul. Effectivement, c'est exactement ça. Tout va bien, tu contrôles ta chute, t'arrives, boum, t'arrives debout. Tu vois, t'en vois une qui est en train de se secouer et d'essayer de se... qui est complètement trempée avec les poils qui lui donnent une apparence, mais on a l'impression qu'elle est maigre, mais maigre d'un coup. Enfin, elle a maigri, elle a perdu toute sa masse. Et tu vois les deux autres, l'un sur l'autre. C'est ça. Inconscient. Ah, nous, on peut rien faire. Hein. Non. À part prendre la pause. On est spectateur du désespoir. J'enlève, tu sais, mon drapé comme ça, là, qui est mouillé. J'avais dit d'attendre. J'ai demandé d'attendre, non? J'ai dit attendre. J'ai dit attendez. Pourquoi ils n'attendent pas la dernière syllabe avant de... J'ai dit attendez. Attends, ça veut rien dire. Attendez, attendez. Bon, je m'agenouille auprès des deux. J'ouvre cette petite boîte en bois et je donne une baie à chacun. Qui vous fait prendre donc 1 des 6 plus 3. Et je n'en ai plus.
6. Tu me redresses dans un bâillement, comme ça. T'as un petit goût de mûre dans la bouche. Toi, t'étais sur moi, donc c'est toi qui te relèves d'abord. Moi, j'ai enlevé mes vêtements hein, pour les secouer, pour tout ça. Je crois que c'était pas trop la bonne décision. Moi, je me suis assis en tailleur, tu sais, avec le bâton comme ça, posé, l'arc Captain posé, Obvious. Tu sais. Ouais. Captain Obvious. <T'sais>. J'ai l'impression que c'était pas une bonne idée. Je me trompe. Ouais. Et donc, je suis avec le bâton comme ça, assis en tailleur. Et je fais... Je crois que j'ai dit un truc avant que je parte, non? Attends. Ouais. La dernière syllabe, c'était des. Ouais, attendez. J'ai pas entendu la fin. Ouais, j'ai bien cru comprendre, oui. Est-ce que maintenant, nous pourrions attendre et prendre 5 minutes de repos? C'est très bien, ça. C'est une bonne idée. Faisons ça, ouais. Très, très bien. Je reste bien loin d'eux. Bon. Attends. Je suis très vexée. Je suis très en colère. Je suis très vexée que Telmen m'ait fait ce genre de... C'est comme une trahison profonde. Moi, je la regarde. Du coup, je lui dis... Tu t'en remettras. Repose-toi 5 minutes, s'il te plaît. Merci, Bérald. De rien. Pour la baie. Reposez-vous. Ouais. Moi, je te dis juste, me regarde pas. Tant que je sèche, me regarde pas. Et pendant qu'ils se reposent et qu'ils reprennent du coup un peu de... On se repose combien de temps? Parce qu'en fonction, c'est 5 minutes. 5 minutes plus 5 minutes, on peut faire plusieurs fois. Non, là, c'est 5 minutes, ouais. Il faudra faire quelque chose et reprendre un repos après. Ouais. Puis c'est vraiment pour dire on se pose et puis on repart. Moi, pendant qu'il se repose, comme ça, j'essaye de voir là où on a atterri. Une sorte... Alors, il y a un bassin. Ouais. C'était peut-être une fontaine avant. C'est assez bizarre. On dirait, ouais, une fontaine, mais sur les côtés, comme si de la terre avait été posée sur les côtés ou des murs avaient été construits. C'est assez étrange. Mmh. Devant, il y a une pièce un peu longue, pavée. Et ça semble continuer comme ça, dans une sorte de couloir, effectivement. Au-dessus, vous avez d'autres... au-dessus du bassin, vous avez d'autres tuyaux avec de l'eau qui sort, qui semblent venir d'autres fontaines de la cité. D'accord. Et... l'eau se jette comme ça... Se jette dans le bassin, ouais, qui lui-même doit avoir une grille, en fait, sur le fond, avec l'eau qui continue à se jeter en dessous. Enfin, d'accord. C'est assez bizarre, assez étrange. Et... C'est éclairé? On y voit quelque chose? Ce n'est pas éclairé. Ouais. Moi, je sors une torche de mon sac, de mon équipement. Je l'essuie un tout petit peu et j'ai un briquet à silex et j'allume. Très bien. J'allume une torche. Moi, je vois dans le noir aussi. Voilà. Donc, je fais le tour et je regarde. Et tout à coup, des tuyaux en haut d'un des tuyaux, vous voyez un rat qui à moitié dans les pattes dans l'eau comme ça et qui vous regarde. Pour toi, ça, Bérald. Cette fois, je crois que c'est dans mes cordes. Puis un deuxième. Puis d'un autre tuyau, un troisième. Oh là là, ils nous regardent tous? Puis un quatrième. Est-ce que du coup, je peux les regarder comme ça? Je m'agenouille, tu vois, je commence juste à les regarder, genre... Voir s'ils vont venir. Cinquième. Sixième. Sept, huit, neuf. 15. Ok, 20, j'ai l'impression que ceux-là 30, n'ont pas très envie de coopérer. 50. Ils sont menaçants ou pas? Pour l'instant, ils sont dans les tuyaux, mais ils s'agglutinent. Et ils vous regardent. Ils vous regardent clairement, vous, tous. Il y a combien de tuyaux, tu as dit? Il y a une dizaine, quinzaine, c'est en hauteur. Ils sont pas accessibles directement. Ils peuvent être accessibles en escaladant? Oui. Bah, moi, j'escalade pour aller vers un tuyau. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. 17. 17 plus 2, 19. T'as combien en def? 17. Ok. Fais-moi un test de dextérité aussi, s'il te plaît. 7. Ok. Tu peux rajouter ton bonus d'acrobatie si tu veux. 8, 9. Ok. Tu commences à vouloir évoquer qui escalade, tu commences à escalader vers un tuyau, et de ce tuyau sortent d'autres rats qui commencent à s'agglutiner les uns sur les autres. Et en fait, t'as tout juste le temps, au moment où tu poses la main, t'as tout juste le temps d'enlever ta main pour pas qu'ils te mordent. T'en as deux qui se lancent sur toi pour te mordre, et en fait, tu te retrouves à chuter et à retomber en bas.
J'essaie de la rattraper, moi. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Allez, sois bon. 2 et 2, 4. Et vous subissez tous les deux 4 points de dégâts alors qu'elle te tombe dessus. Et vous tombez tous les deux par terre. Les rats, eux, commencent à s'agglutiner, commencent à même presque boucher les tuyaux. Est-ce que j'ai le temps, moi, de projeter mon esprit dans l'un des rats? Ouais. Ok. Et en fait, d'un coup, je m'agenouille et je mets le premier rat que je vois. Et la seule chose qui te vient en tête à ce moment-là, c'est « Tuez ! Tuez ! Tuez ! » Et les rats s'élancent sur vous. Ouais. Ah, oh. Attends, et du coup, je le tuer, tuer, le... et le fait qu'ils partent, ça me fait revenir. Et du coup, on voit la vague de rats arriver. C'est ça, et qui commence à arriver, qui commence à sortir des tuyaux, des centaines de rats qui sortent des tuyaux et qui courent vers vous. Que faites-vous? Eh ben, il y a une issue. Du coup, il faut suivre cette troupe là. Bah alors, je cours derrière. Suivez-moi! Et je cours. C'est juste que moi, je m'étais rhabillée pendant que je faisais tout ça, évidemment. Mm-hmm. Et du coup, bah, toujours en grognant et tout, je dis, ça aurait pu faire un bon repas, tout ça. Et je pars en courant quand même, je les vois courir. Fais-moi, j'ai constitution, toi. Constitution. Oui. Constitution. Ouais. Je vais me transformer en rat, c'est ça? Allez, sois bonne. Oh, 12. Tu as -1 à tous tes jets désormais. Tu te sens un peu faible. Tu te sens un petit peu faible. Tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. J'étais déjà faible. J'avais déjà pas réussi à récupérer des points de vie, donc... Ouais. Là, c'est à tous tes jets. Et vous courez. Faites-moi un test de force, s'il vous plaît. Ouais. 10 et 3, 13. 16. Ok, c'est yes. 3. Et ben voilà, 4. Vous vous précipitez jusqu'au bout de cette espèce de couloir, en fait. Au bout de ce couloir, il y a ce qui ressemble à une porte, une porte d'entrée de maison, vieille porte d'entrée de maison en bois et en métal qui est fermée. Qui a fait moins de 13? Ok. C'est-à-dire, moi, je peux ouvrir la maison. La porte. Les garçons, vous arrivez tous les deux à la porte en premier. La porte est fermée, que faites-vous? Bah, j'essaye de la défoncer, quoi. Moi aussi, pareil. Mais ouvre la poignée, sinon. Plutôt lui, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Fais-le avec un bonus de plus 3 parce qu'il t'aide. Non, mais tu sais, on arrive en courant, tu vois. C'était une blague, c'est tout. Faire l'histoire de la porte. Ah, peut-être il a pas dit fermer à clé, il a dit elle est fermée. Ah, peut-être que t'as raison. Fumble. Ah, la prison. Des vins. Et vous arrivez contre la porte, et en fait, vous allez pour la défoncer, vous vous regardez, vous y mettez en même temps, sauf qu'en fait, le sol est humide, et au moment où vous arrivez au niveau de la porte, tu glisses, tu t'étales contre la porte, ça fait juste pouf. Okay. Toi, tu... J'essaye de l'ouvrir. J'essaye de pousser, c'est d'ouvrir. Et elle résiste et ça t'a fait mal à l'épaule. T'as pas l'habitude. Ah. Ça t'a fait mal à l'épaule. Quand t'as toutes les deux, vous êtes en train de courir derrière. Alors vous voyez ce spectacle. Les rats commencent à vous rattraper. Vous en avez un ou deux qui vous mordent au niveau des chevilles. Ah là là. Vous perdez 5 points de vie et 2 points de vie. Ah, 2, parce que moi, Et que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Vous êtes du coup là. Et en courant, pardon, j'essaie de me les virer et je dis juste au garçon « Poussez-vous !» Parce que moi, je sors mes petits outils de crochetage et j'essaie je vais tenter d'ouvrir la porte. Ouh, ouais, fais-moi un gemme avec moins 5. Waouh. Si tu veux le faire en un tour, oui, moins 5, moins 1. Si tu veux le faire en un tour, ouais, là... 18, moins 6, fait 12, et en chroniques oubliées, c'est bien. Toi, tu as bien retenu la leçon. Tu, tant bien que mal, t'essayes de crocheter la porte, t'as du mal, vous allez tous prendre 2 points de dégâts supplémentaires. Alors que les rats arrivent et commencent à vous mordre tous les chevilles, tu ouvres la porte. Ouais. Que faites-vous? La porte est ouverte. Ouais, je la referme immédiatement derrière nous. Décodés qu'ils sont tous passés. Bah, on rentre et puis ouais. Et moi, en fait, avant qu'ils referment la porte, vous m'entendez juste murmurer quelque chose, ou d'un coup, justement, vous voyez
des sortes de buissons d'épines comme ça qui viennent enchevêtrer les rats qui sont devant, quoi. Très bien, et tu fermes la porte. Vous entendez juste la masse des rats qui se percute le bois. Et puis, en fait, au bout de quelques secondes, tout redevient silencieux. Je ne vais pas réussir à aller beaucoup plus loin. Je suis vraiment très fatiguée, il y a un truc bizarre qui se passe. Faites-moi tous un jet de constitution, sauf Mélie. Changer de dé. 10, 9 et un 10. 9, mais je prends un point de chance. Ah oui, de chance. Points de chance, hein, ah bah 17. 19. 10, on rajoute 10, c'est ça? Ouais. Et ben 20, donc. Oh, et j'avais oublié. Ah, moi aussi, j'avais oublié. Et effectivement, vous sentez, c'est un peu comme, le personnage de Mélie quand elle s'était fait morte, c'est-à-dire vous avez l'impression que votre vision devient un peu floue, l'espace d'un instant, mais... bon, ça va, c'était juste un petit vertige passager. Tout va bien. C'est noir, c'est il fait toujours noir, bien sûr, donc vous êtes dans des sous-sols. Dans des sous-sols. Donc moi, je vois un petit peu plus. Tout à fait. T'as ma torche toujours. Ouais, moi, je m'assois, je prends 5 minutes pour me reposer à nouveau. Moi aussi, okay. Sinon, je peux pas vous suivre. Moi aussi, je prends 5 minutes. Ouf. Bouillard. Je me sens à chaque fois, mais ça me... 12. Ça marche. Ah, bah voilà qui est bien, ça. Braf. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Et je me repose et au bout de 5 minutes, j'essaye quand même de retrouver un petit peu mes esprits. Moi, je connais bien le cloaque pour y être né, malgré tout. Et y avoir passé beaucoup de temps. Et j'essaye de me dire par rapport à ce que je sais de là où on était. En haut, en surface, où est-ce qu'on peut se trouver à peu près par rapport au cloaque ? J'essaie de retrouver un petit peu les. Alors, c'est très difficile à dire, parce que le problème du cloaque, justement, c'est que non seulement tu perds tous tes points de repère, mais en plus, il y a quelque chose de. C'est un labyrinthe sous la cité. Et c'est très très dur de se repérer. Sauf quand tu arrives près des tunnels d'entretien, notamment. Les tunnels d'entretien de ce qu'on appelle le chariot qui monte, qui est une espèce de chariot qui va de la chaussée du lac jusqu'au sommet, qui remonte le long de la faille, en fait, un chariot mécanique. Mais là, vous y êtes pas. En fait, tu sais que le cloaque, c'est un peu une ville sous la ville. C'est un peu comme si une ancienne version de la ville. C'est pas vraiment des égouts. Il y a des égouts dedans. Il y a une partie d'égout. Mais c'est un peu comme s'il y avait aussi une autre version de la ville, voire plusieurs autres versions de la ville, plus on descend. Plus on trouve de nouvelles versions antiques, anciennes, qui s'étaient comme ça agglutinées en couches les unes au-dessus des autres. C'est assez bizarre, assez étrange. Là, vous êtes dans ce qui ressemble à une ancienne maison. D'accord. Vous allez voir une table en pierre devant vous, avec des chaises en pierre, enfin des tabourets en pierre, pas des chaises. Voilà. Certainement d'anciennes tapisseries, mais désormais à moitié pourries et défraîchies, dont on ne peut plus, on ne peut plus rien tirer. Dans ce qui ressemble à une maison, en fait. Donc une maison sous terre. Donc c'est une pièce, on est dans une pièce qui ressemble à une maison. Peut-être la pièce principale. Du coup, en regardant comme ça, il n'avait qu'une seule chose en tête, Sarah, tuer. Ils doivent être commandés par quelqu'un. J'ai juste eu le temps de me projeter dans l'un d'entre eux et tuer. Une telle rage. Ils sont peut-être hypnotisés. Mais c'est ça, ils sont hypnotisés par le bien lutte. Sûr, bien sûr. Il y a quelque chose de plus, parce que je me sens très très faible. J'ai l'impression que vous avez été empoisonné. Il y a quelque chose d'étrange. Et tout le monde, là, moi aussi, j'ai eu la vision qui s'échappait. Je suis revenu, mais c'est très étrange aussi. Si, c'est ça. Et c'est ce qui est arrivé à Astérax. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on avance. Avec juste une petite morsure. Moi, j'ai pisteur urbain. Je cherche, moi, les traces de passage de l'Arlequin aux luttes. Là. Comme le bouffon nous a dit qu'il était passé par la... L'Arlequin, c'était le bouffon. L'homme aux luttes, c'est autre chose. Mais l'Arlequin, c'était le bouffon.
Ah, c'est pas pareil. Non. Mais non, c'est, oui, c'est le maître d'Hérin. Le bouffon, c'est l'arlequin qu'on a vu, qui s'est métamorphosé en toi, ouais, et il nous a parlé du maître d'Hérin. Ouais, qui est sûrement le joueur. Qui lui, voilà, il nous a dit, moi, je joue de la musique, mais dans des crânes vides. Pas dans... Ouais, mais le mec qui m'a décrit le joueur de lutte, il m'a décrit un... Non, le mec, il t'a dit, j'ai entendu un luth et je suis allé à la fenêtre et j'ai vu un bouffon, grosso modo. Enfin, un arlequin. Ouais. Mais du coup, c'est pas cette personne-là qui jouait du luth. D'accord. Donc nous, on cherche ce fameux maître des rats qu'on doit trouver pour le bouffon qui tente de... Mais peu importe. Il m'a parlé, il m'a dit qu'il était passé par là. Donc, je cherche, avec mes capacités de pisteur urbain, je cherche des traces de passage, là, bref, moi, de cet homme-là. T'as toujours 5 et le 7. Mais t'as tu peux points. Le jeter pour moi. Je ne veux pas le toucher. T'as des points de chance, en fait. Pousse-le avec quelque regarde. Chose. Regarde. T'as toujours des points de chance. Oui, 5 et 2, 7, et donc 10, 17. Hein. Très bien. Et alors, les amis, je vais sortir le... Wow. Je le gardais finale. Pour Gabriel, mais... Nouveauté. Allez. Embrasse-le. Dis-lui des choses gentilles. Dis-lui des mots d'amour. Des ouais, je pense qu'il faut que tu lui parles avec une gentillesse. Et tu es un beau, Bon, bref, en tout cas, 17. En fait, c'est pas des traces de l'homme que tu vas trouver, parce que c'est assez dur de trouver un, pour le coup, sur mais la oui. pierre, mais oui. des traces. Par contre, c'est des crottes de rats que tu vas trouver, des petites crottes, et qui forment effectivement un cheminement. Enfin, il y en a plusieurs, il devait y avoir pas mal de rats, et ça forme un cheminement qui, effectivement, part de cette pièce et va dans une sorte d'autre couloir, qui est en fait une ancienne rue, peu importe. Et qui permet d'avancer. Je fais part de ça à mes compagnons et je vous invite à ce qu'on suive ce chemin de merde. Joliment dit. Ouais. Au sens premier du terme. Moi, du coup, en avançant, je frotte juste mes deux avant-bras comme ça. Et en fait, d'un coup, vous voyez ma peau qui commence à craqueler et qui se transforme en petit à petit en une sorte d'écorce d'arbre, comme ça, et... Allons-y. On a et moi j'ai tous les poils qui se hérissent comme ça. Ouf. Ce qui me donne donc plus 1 en défense par rang dans la voix. Alors c'est pendant 5 plus mode de sagesse, tour. Donc c'est en temps. Pas tour sans combat. Hein. Donc ouais, mais donc du coup ça peut pas être utilisé là. C'est une minute quoi, grosso modo. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok, moi je pensais. C'est en début de combat que. Ah oui, d'accord. Si dégoûtant et aussi inutile du coup. Et en fait, ouais, ça fait une minute, ça fait. Je croyais que ça durait plus longtemps. Tu pensais qu'on allait se battre déjà? Bah, je suis parti devant, j'ai ma torche et j'ai avancé. Et vous allez passer à travers les couloirs du cloaque. Même chose, on dirait que vous passez en fait de maison en maison, de rue en rue, de couloir en ancienne place. Enfin, c'est assez étrange. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du cloaque, c'est vraiment, vraiment très bizarre, en fait, de se retrouver à l'intérieur. En plus, vous ne savez jamais vraiment quel tour vous prenez. Toi, tu as l'impression que vous allez en direction de la faille, en tout cas. Mais difficile d'en dire plus. Et effectivement, au bout d'une vingtaine de minutes, vous arrivez, vous débouchez dans la faille. Devant vous, le chemin s'arrête. Net, vous tombez face à ce précipice de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Wow. Le vent d'ailleurs s'engouffre, le vent du lac s'engouffre dans la faille et commence à, enfin, vous déstabilise très légèrement le temps que vous repreniez votre appui. Il y a de l'eau au fond. Il y a de l'eau au fond. On peut pas sauter, quoi. Mets la patte sur Béral. Tu dis que ça fait combien de hauteur? Plusieurs dizaines de mètres.
Est-ce que moi, je vois la profondeur en bas, la quantité d'eau, on peut se rendre compte si on peut sauter ou pas ? Absolument pas. Surtout, mais vous savez que la faille, il vaut mieux pas sauter en bas. D'accord, on le sait. Très bien. Mais c'est large. Merci pour l'info. C'est très large. Il y a des ponts qui traversent la faille. D'ailleurs, vous en voyez un au-dessus. Quelques dizaines de mètres au-dessus. Quelques dizaines de mètres. Ouais. Ah oui, ça fait pas l'atteindre, là, on est... Et vous avez juste devant vous une passerelle en bois et en corde qui traverse... Devine. Mais oui. Oh, la jolie passerelle en bois. Et qui balance avec le vent. Ah oui, bah c'est comme dans les films, hein. Je commence à faire un bruit bizarre. Tout doux, Minou, tout doux. Bon, est-ce qu'on attendait? Vous entendez le bruit de la ville en haut. Bérald, on y va? Mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Bah, je crois aussi. Moi, j'y vais, j'avance. Bah, pareil, moi, m'engage. Je suis pas très pour. Bah, je l'attrape et je la mets devant. Ah. Tu peux pas. T'es trop petite. Bah, je l'attrape par les pattes et je la mets devant. Non, tu pourras pas. Je lui mets un coup dans le genou et je la fais avancer. Et je la fais tomber. Et là, tu vas y aller. Faites-moi un jet de dextérité. Tous? Bah ouais. Tout le monde. Si tu veux un truc genre acrobatie ou autre. Bah, je veux dire, je suis quand même... Alors, 6 - 1, 5, mais juste... C'est ce truc où tu le sens, où tu te dis, putain, là, il y a eu un peu de trucs, c'était bien. Et là, non. Parce qu'en plus, je peux pas rajouter mon point parce que ça reste un fumble. Si, tu peux rajouter ton point de chance. Ah. Bien sûr. Bon. Même sur un fumble? Oui, même sur un fumble. D'accord, alors j'utilise un point de chance. C'est une ressource précieuse, le point de chance, donc oui. Donc cool. Ça fait 10 et 1, 11 et 1, 12. Ok. Moi, j'ai 6 moins 1, mais j'utilise un point de chance, donc ça fait 15. Ok. 16. Ok. 4. 2 plus 2. J'ai fait ça je ne sais pas combien de fois depuis ce matin. 2 plus 2. Et tu n'as plus de points de chance? Non. Mais non, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 2. A plus. A plus, t'as le même. En fait, toi, tu passes en premier. Et vous commencez à avancer, donc ça balance. Ça, c'est très inconfortable. Ça balance. Et en fait, au milieu du pont, au milieu de la passerelle, tu te retrouves accroché avec les deux mains sur la corde. T'as l'impression que tu en es sûr devant toi, ça va craquer en fait. Et du coup, tu ne peux plus bouger. Et tu regardes en bas, et c'est haut, et c'est vraiment très haut. Oh. Et tu ne peux plus bouger. Et tu regardes derrière, et t'as tes compagnons qui te regardent, genre, qu'est-ce que tu fais ? Telmen ! Telmen ! Telmen, il faut avancer là-haut. J'ai vraiment. Ah, arrêtez de parler si fort que ça ! Faut pas rester au milieu du pont, de la passerelle là. C'est dangereux. On est en train de se balancer, on risque de passer par-dessus. Telmen, reprends tes esprits, je t'en prie, et avançons. Allez, ressaisis-toi, Telmen. Je peux pas faire un pas devant l'autre. À chaque balancement, moi, je fais un cri, quoi. Il faut souffler, Telmen. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Allez, inspire. Gonfle tes poumons et expire fort jusqu'au bout. Entre à la maison, j'en ai rien à faire. Non. Je me tourne. Non. Je leur fais. Non. Telmen. Et tout à coup, tu vois des rats. Qui commence à arriver juste sur le bord de la passerelle. Derrière eux? Ouais, derrière eux. Puis commencent à s'empiler les uns sur les autres. Et je me retourne à nouveau. Quand t'as pas envie d'avoir des nouveaux copains. Il faut qu'on traverse. Allez, vas-y. Et inspire. Inspire complètement. Là. Gonfle ta cage thoracique. Moi, je pars en courant. Refaites-moi un jet d'excellence. J'attendais un peu ce qu'il me demande. J'avais fait un bon là. Allez, mais oui, mais oui, allez-y. Je change de dé. 13. Dextérité. 13. 11. 17 plus 3, 20. Ouais. Et j'utilise un point de chance, alors je fais 21. Non. Telmen. 5 et 2, 7. Hey, c'est mieux. Est-ce qu'on peut lui en donner? Je donne ma chance. Non, vous commencez à accélérer. Alors Telmen a un peu de mal. Tu t'y remets. Tu commences à avancer l'un devant l'autre. On a dépassé les 5 en fait, et c'est ça qui m'importait. Tu commences à passer l'un devant l'autre, mais en fait, tout à coup, tu vois. Merde, je me rappelle plus de. Guitan. Qui. c'est quoi ton nom déjà? Guitan qui te passe devant en courant. et même chose. Attends. Même chose pour la petite. Bismine qui passe entre tes jambes et. Il n'y a que toi qui reste en fait bloqué derrière, parce que voilà.
et vous avancez. Mais comme vous pouvez, vous poussez l'un l'autre. Garde ton calme, garde ton calme, Talmen. On est bientôt arrivé, garde ton calme. Je regarde en haut, moi, comme allez. Ça, j'essaie de... Je cherche les planches un pied après l'autre. À tâtons, mais je veux pas regarder. J'ai les yeux fermés et j'avance vraiment. Et tu sens juste les petits coups, comme ça, dans le dos. Arrête de pousser, arrête de pousser. Elles sont allées plus vite parce qu'elles avaient encore plus peur que toi. Tu comprends, Talmen? Donc maintenant, garde ton calme et avance. Je suis calme. Ouais, moi aussi, très calme, très calme. J'entends une vague de rats derrière moi et ça me plaît pas du tout, Talmen. Effectivement, le moment où tu te retournes légèrement, tu vois les rats qui commencent à courir sur les cordes et tu en vois qui commencent à ronger les cordes. À ronger les cordes. Talmen, ils sont en train de complètement saccager la passerelle. Donc ça faites-moi tous les deux un test de dextérité, s'il vous plaît. Allez. Et de l'autre bout, voilà. On est arrivé de l'autre côté, nous. Oui, 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 oui. 19. Ah. 15. 13 et 15. Et en fait, en voyant ça, tu te mets à avancer. Tu dis, allez, j'y vais. Et tu avances. Et en fait, au moment où vous arrivez sur le bord, tout à coup, la passerelle se détache. Les rats qui étaient en train de courir sur les cordes tombent au fond de la faille. Et vous vous retrouvez de l'autre côté de la faille. Dans un couloir. Allez, mon reste comme ça. J'en mets mon manteau. Moi, je te tape sur le genou et je te dis, c'est bien, t'as bien respiré. Je regarde tous les trois comme ça. Aucun commentaire. Et j'avance. Ce qui se passe dans le cloaque, reste dans le cloaque. Exactement. Et je reprends, j'ai toujours ma torche et j'avance. Ah non, t'as toujours ta torche. Ouais, j'ai toujours ma torche. T'es sûr que tu l'as pas la torche. Mais qu'est-ce qu'elle aime. Faites-moi tous un jet de constitution. Non, mais. Mais qui es-tu? 17 et 2, 19. Oh ouais. Fumble, moins 1, 0. Ça, je pense qu'il y a quand même un truc qui a dit genre elle, il faut la punir. Non. J'utilise un point de chance donc. Moi aussi. Donc 10, 0 14. Plus 10, 10. 14, 10, 19. 19, 11. 11. 10. Oui. Tu sens que. Tout à coup, tu sens que c'est la tête qui tourne un petit peu. Ça va vraiment pas. Des émotions. Ça va vraiment pas. Tu as encore moins 1 en plus à tout tes jets. Oh ! Moins 1 en plus. T'imagines un peu comme c'est compliqué, donc, mathématiquement parlant. On arrive à moins 2 à tous les jets. Oh. Je vais me reposer. Ah non, j'ai pas perdu de point de vue. Je vais me coucher. Laissez-moi ici. Je me sens pas bien. Je vais vous ralentir. Laissez-moi ici. Mais non, mais tu rigoles, on va pas te laisser là. Dans non, quoi, tu viens avec nous. Allez, dépêche-toi, très bien. Comment remonter à un moment donné. C'est me débrouiller. Pour le coup, dans la traversée de la passerelle, tu nous as pas du tout ralenti, hein, Gitane. Mais... T'es allé très vite. Très, très vite. Oh, mais là, ça fait peur. Oui, donc tu es allé très vite. Et vous avancez. On avance. Vous continuez à parcourir ces couloirs étranges du cloaque. Faites-moi un jet de sagesse. Oh là là. Ah merde. 8. 8. Ah mais non, pardon, attends. J'ai fait 9 moins 1 moins 2, 6. Ok. Pour Temen. C'est pour l'instant 8 et 2, 10, mais c'est pour un test de survie ou pas Non, c'est pour de la perception. Ah bah, sagesse, perception. J'ai plus 1 par rang, donc 8, 2, 10, 13. Alors vous êtes en train d'avancer, toi t'es devant, évidemment, tu ouvres la voie. Et alors que vous arrivez vous allez passer plusieurs bifurcations, il y a toujours ces crottes de rats, de moins en moins, mais il y en a toujours, assez régulièrement. Et à un moment, vous arrivez vers un... Même chose, ça ressemble à la porte d'une maison. Et derrière, tu entends des gémissements. C'est lui qui est devant nous, hein. Ouais. Tu nous ouvres cette porte, s'il te plaît, Talmen. Talmen. Je m'approche de la porte, je colle vraiment mon oreille sur la porte. Ouais. J'entends plus de choses, plus en détail ou pas? Des gémissements et des pas.
assez lourd. Et tu nous le dis ou pas? Il y aurait plusieurs personnes? Non, 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 juste une personne qui met avec des pas vraiment très très lourds. Une personne avec des pas très lourds, plus des gémissements. Plus des gémissements de douleur. Il y a des ouvertures des fenêtres ou... Non, juste la porte. Évidemment, je vous dis ce qu'il y a. Je mets la main sur la... C'est une poignée, il y a un système de clenche. C'est une poignée, ouais. Moi, je prends mon arc, j'arme un carreau, enfin une flèche. Évidemment, je tends pas l'arc, mais elle est encochée et elle est prête. Je mets la main sur la porte, je regarde comme ça, et j'essaie d'ouvrir. Pendant qu'il fait ça, moi, je sors mes deux épées. Discrètement. Ouais, moi, je me cale contre la porte. Enfin, non, pas contre la porte, contre à côté mur. De la porte, ouais, contre le mur. Et je prépare mon épée courte. Moi, j'ai mon bâton à la main et je suis dans l'embrasure de la porte. J'attends de voir quand il va ouvrir. Discrétion, c'est de la dextérité. Hein. Donc 9 plus 2, 11. Et j'ai capacité raciale. J'ai gagné un bonus de plus 5 au test de compétences en fonction de la terrasse. Cloaque discrétion. Donc ça nous fait du 11-16. Well done. Tu ouvres tout doucement la porte. Tu sens qu'elle va grincer. En fait, tu relèves très légèrement pour que les gonds ne frottent pas l'un contre l'autre. Et alors que tu as entrouvert suffisamment de quoi passer, tu vois juste une grande pièce. Quelqu'un qui ne te fait pas face, dos à toi. Sur le côté, deux cages qui contiennent deux êtres humains. Il y en a un qui est mort, clairement, et l'autre qui est une jeune femme qui est en train de gémir de douleur, qui se tord. Tu vois toujours ces crottes de rats un petit peu de partout. Devant toi, tu as une grande figure, bien un 1m80, peut-être 90, qui est un peu voûté dans un grand manteau noir. Tu vois pas trop, il porte un chapeau sur la tête. Sur le côté, dans la pièce, tu vois un luth qui est appuyé. Moi, je vois parce que je suis devant. Ouais. Les autres voient ou pas? Ils aperçoivent, mais ils sont derrière toi, là, pour le moment. Bon, comme j'avais une main sur mon arc, une main sur la porte, j'ai confié la torche à quelqu'un d'autre. Ou on l'a éteinte, ou je sais pas, non, je pense qu'on l'a confiée, je te l'ai confié à quelqu'un. Logiquement. C'est éclairé à l'intérieur, par contre. D'accord, c'est éclairé à l'intérieur. Donc je pense qu'on l'a éteint avant. Enfin, moi, en tout cas, en voyant qu'elle s'est éclairée, ouais, je l'éteins. Okay. Et le... Tu dis, vous voyez ou pas? Il voit. Dans le noir. Tout le monde moi, voit. Moi, je vois dans le noir. Et pas moi. Aussi. Il y a de la lumière. Mais c'est éclairé. Je lui décoche une flèche. Vas-y. 8 et 5, 13. Tu décoches une flèche, tu sens en fait, tout à coup, tu le vois en fait, qui, au moment où tu tends l'arc et où tu as cette espèce de grincement comme ça de ton arc qui résonne dans le couloir, tu sens que il entend. Et en fait, il évite juste à la dernière minute, ta flèche va se perdre dans la pièce. Il se retourne. Tu vois une espèce d'humanoïde à tête de rat en train de baver avec des griffes énormes, des yeux rouges qui se retournent vers toi. T'as l'impression qu'il esquisse un sourire. Il se jette sur toi. Waouh! On voit pas encore, lui, il est passé. Bah vous le voyez qui décoche une flèche, vous voyez cette forme comme ça qui se jette sur lui. D'accord. Qui le touche. Là, qui le touche. T'infligeant 6 points de dégâts alors qu'il te mord avec sa gueule puissante. Et vous avez combien en dextérité?
Parce qu'on a les initiatives. La valeur si tu veux. Ouais, la valeur. Bah, initiative, si vous voulez. L'initiative, j'ai le 17, moi. Elle est où, l'initiative, pardon? En dessous de là, dans combat. Initiative. Ah oui, bah 12. Oui. Ok. 17, moi aussi. Oh, c'est le total ou c'est le. C'est bah, ce qui est marqué dans l'initiative. Initiative, regarde, t'as un carré initiative. C'est dans total, je pense, 18. Ok, donc c'est. T'as notre ami Bard de jouer. Que fais-tu? Bah, du coup, moi j'étais contre le mur. Je me mets face à la porte qui est ouverte. Je fonce. Je lui jette mon épée courte à distance là où je suis devant la porte sur lui. Mmh, d'accord, fais-moi un test d'attaque à distance du coup. Ouais. Avec un malus quand même. Ouais. Bah ouais. Moins 3. Bah 13. 13 en attaque. 13, il va, en fait, il va donner un coup de patte et envoyer balader ton épée courte. D'accord. Fais-tu autre chose? Est-ce que tu... Non, oui, je rentre dans la pièce, mais pas pour être proche de lui, quoi, juste pour rentrer dans la pièce. Là, si tu rentres dans la pièce, t'es forcément proche de lui, parce qu'en fait, ils sont tous les deux dans l'embrasure de la porte. Ah oui. Ouais. Ben non, je fais, pour l'instant, je fais rien d'autre. Très bien. 17. 22. Allez-y. Moi, j'ai le... Je lâche mon arc et je prends mon épée longue. Ouais. Je peux faire ça ouais, et attaquer. Pas de soucis. Oh la putain de sa mère. Pardon, mais la putain de sa mère. Effectivement, ton coup, même chose, il va parer, en fait, il va parer ton coup avec ses griffes. Te surprenant, et il est étonnamment rapide, en fait. Très, très, très rapide. Moi, du coup, ben, je suis avec mes deux épées et je vois ça et je vois qu'il attaque avec ses griffes et du coup, j'essaie de lui couper une patte déjà avec mon coup droit et après en revers, enfin le gauche, j'essaie de lui couper une main. Pour, ok. Voilà. Vas-y. J'ai aussi moins 2 sur mes attaques. Ah, bien sûr. Devine. Tout est jet. Devine. 19, c'est un critique, c'est pas possible, je fais pas moins 2 sur un critique. Ah, c'est un 19 naturel, donc c'est un critique, mais c'est quand même moins 2. Mais c'est donc un critique. Donc je fais double mes dégâts quand même. Oui. Pardon. donc j'ai mes deux attaques, donc 2d6, donc ça fait 4d6. Tu fais pas un seul jet pour tes deux attaques. Ah, je fais l'autre attaque. Oh, c'est dommage. C'est que sur une attaque, donc là, déjà fait tes dégâts sur la... Ambidextrie, il n'y a pas marqué, hein. Avec sa main gauche, il peut effectuer une attaque au contact gratuite, oui, supplémentaire. Voilà. Gratuite. C'est ça, une attaque gratuite supplémentaire. C'est-à-dire que ça ne te coûte pas d'action. Ça ne veut pas dire que ça ne te demande pas de jet. Il faut que tu jettes des dégâts. Donc fais-moi tes jets de dégâts déjà de la première attaque. Ambidextrie. Ah ouais. Fais-moi tes jets de dégâts. Jets de dégâts pour la première. Allez, du coup. Oui. 10. Ok. La première main. Et la deuxième. Deuxième attaque. 7, moins 2. Ouais, la deuxième, par contre, ne passe pas. La première, tu le surprends. Okay. À moins que tu utilises un point de chance. Oui, j'avais envie d'utiliser mon dernier. Vas-y, vas-y. Je l'utilise, comme ça, je lui coupe la main. Eh bah, ben, fais-moi tes dégâts. Je fais mes dégâts, donc 2 encore. Oh bah, 3 plus 2, 5. Et en fait, tu vas le surprendre alors que... Il avait pris de l'assurance avec notre camarade. Là, tu le surprends d'un coup et tu vas lui entailler la main. Il se met à hurler. À notre druide. Ah, pardon. Eh oui, c'est à toi. Bah, bien sûr, excuse-moi. Moi, du coup, j'ai le bâton dans ma main et je tape le bâton sur le sol et d'un coup, il y a... deux énormes racines qui sortent du sol et qui viennent se mettre autour de lui. Du coup, j'ai un jet à faire là-dessus ou pas? Bah si c'est marqué, oui. Bah là, dans une zone de 10 mètres de diamètre, bah non, c'est non, c'est entravé, les cibles subissent un malus de moins 2 en attaque et en défense et ne peuvent pas se déplacer. Bah très bien. Voilà. Et chaque tour, une créature peut se libérer avec un test de force. Voilà, donc t'as pas de jet d'attaque à faire. Voilà. Et le test, c'est 10 plus mode de sagesse, c'est-à-dire 3, donc ça fait 13. 13, ok. J'ai doublé les dégâts sur la deuxième attaque alors que c'était pas un critique, pardon. Ah bah bravo.
peux enlever, je pense, 2 ou 3 3 points de dégâts. Combien, 5? J'avais fait 5 en 5, tout. Ouais. Mais t'as rajouté ta dextérité? Bah, ta force? Je sais pas si tu as marqué là. C'est pas ma dex, c'est ma force. Bah oui, okay. C'est plus 1. Très bien. Donc il est à 12. Point de dégâts. Et il va essayer de se libérer alors que effectivement les racines en serrent ses jambes. Il n'y arrive pas. Il commence à galérer. Ce qui il va retenter du coup de t'attaquer toi puisque t'es pile devant. La moindre en attaque. 15. Mais on quoi que. Attends. Il a moins 2 en attaque. Non, ça te passe pile tout juste. Il y a moins 2 en attaque, pardon. Ça passe pile tout juste. D'accord. Sinon, ça serait passé large, mais là, ça passe. D'accord, plus. Ok. Et il va essayer de te griffer, mais il a un petit peu de mal, il t'inflige 5 points de dégâts. Il a un peu de mal, il est pris par les plantes, il a du mal à être optimal. 17. Que faites-vous tous les deux? Est-ce que je peux attraper une torche? Il y a une torche. Toi, t'as éteint la nôtre. Ouais. Les torches sont pas juste à côté, faut que tu te déplaces. Eh ben, je me déplace et je vais attraper une torche. Ouais. Très bien. Et je peux attaquer malgré tout? Je peux revenir attaquer? Ça va être... Non, ça va être... là, te déplacer, attraper la torche. Eh ben, je me déplace, j'attrape la torche. Ok. Allez. Ellie. Eh ben, moi, du coup, je suis toujours avec mes épées courtes. Et pareil, je continue. Je fais mes deux attaques et je continue à essayer de le... Plutôt au niveau de la tête, cette fois. Il fallait peut-être que c'était moi avant, non? Ah oui, mais 18. Ah, 18, pardon. Non, je te ferai après, c'est pas grave. Après? Ouais. Ah bon, alors okay. Je fais mes attaques. Moins deux. Putain, moi aussi, je lance les deux en même temps. Hop, allez, boum. Eh ben, c'est un double 9. Moins deux, ça fait 7 et 7. Merveilleux. Mais tu te sens pas très bien. Tu te sens pas très bien. T'as la tête qui tourne. T'as un peu de mal. Et malgré, en fait, l'avantage que te procure le sort de ton compagnon, tu le rates complètement. Il réussit à esquiver. Que fais-tu Je crache une boule de poil. Ouais. Dans la pièce, il y a une table ou quelque chose? Non, il n'y a rien à part ce rat qui était avec son lutte dans le coin. Là, ici, non. Je vois rien. Non. Oui, mais je le touche pas. J'avance vers lui. Il n'est pas très loin de moi, mais je fais un saut pour de lui trancher la gorge. Bah, vas-y. J'ai oublié d'ajouter mes plus... Je suis nulle, pardon. J'ai oublié d'ajouter mes plus 6. Parce qu'il est quand même plus grand que moi. 6. Donc, elle avait 9 plus 6, ça fait 15, moins 2. Moins 2, 13. Donc ça fait 13. Ça ne touchait pas. Voilà. D'accord. Bon, bah voilà, au moins on sait. Bah 9 en. Voilà, en attaque. En tout? Bah oui. Mais non, tu sautes, tu sautilles en essayant désespérément de lui toucher la gorge. Mais malheureusement, c'est assez étrange comme spectacle. Oui, que fait notre druide pendant que les deux s'acharnent? Je vois que Thelmen, il part, il se saisit d'une torche. Je vois les deux qui essaient de s'acharner, mais qui loupent leur coup. Et moi, en fait... d'un coup, je suis toujours avec le bâton planté comme ça, et je le regarde et je fais juste. Et là, d'un coup, vous entendez. Et d'un coup, il y a plein d'insectes qui apparaissent et qui se mettent à tourner autour de lui, à le piquer et à venir partout comme ça. Ça, pareil, pendant 5 plus 3, ça fait pendant 8 tours. Et elle subit un point de dégâts déjà maintenant. Et elle a un malus de moins 2 à toutes ses actions. Eh ben putain. Voilà. C'est moins 4. Bon, ça, c'est joli. Moins 4, hein. Alors qu'effectivement, il commence à essayer de chasser, les bêtes, les insectes. Il essaye en même temps de frapper, bah, de te frapper d'ailleurs, parce que c'est toi qui essayes de lui trancher la gorge. Et, mais complètement déstabilisé, il n'y arrive pas. Que fais-tu? Ah, c'est à moi encore. Bah oui. Hey, yeah. Et ben moi je lui envoie une fléchette dans la jambe. Dans la jambe. Okay. Voilà, bah dans sa jambe, ouais. Ok. Fais ton attaque. 21. T'as fait combien sur le dé? 15, mais plus 6. Ouais, mais c'est pour savoir, parce 15. Que du coup, c'est... là, tu fais un des 4 plus... Bah non, la fléchette, c'est marqué 1. Ah, mais c'est... Parce que t'as fait 15. Ah oui, d'accord. Bah non, mais c'est à partir de 17.
Ah, c'est 17. C'est 17, pardon. Ouais. Eh ben donc non. Ça marche pas, je lui envoie une fléchette. Donc effectivement, tu lui envoies une fléchette dans la jambe qui fait... Ah bah quand même, il a eu un peu mal, bon, je suis contente. Attends, non, je pouvais lui en envoyer deux, pardon. Eh ben, on voit bah, deux fléchettes, voilà. En fait, je peux envoyer deux fléchettes sur une action d'attaque. D'accord. Voilà, donc il a refait « i-i » comme ça. « Aou, aou ». Tu vois ? D'accord. C'est, vous allez l'avoir à l'usure, en fait. Petit à petit. Ouais. Tous les tours, un point de dégâts. Une fois, j'attaque avec une cuillère. Bah, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Bah, je suis d'accord. D'ailleurs, vous avez 17 tous les deux, c'est à vous de jouer. Que faites-vous ? Combat à la torche. Je peux combattre à deux armes ou pas ? Je peux combattre avec mon épée et la torche dans l'autre main ou pas ? Si c'est spécifié, oui. C'est un expert dans le maniement de la torche enflammée. Il affiche 1d8 plus mode de dex DM avec cette arme. Lorsqu'il fait noir, il aveugle ses ennemis, leur infligeant une pénalité de moins 2 en attaque au contact. Non, cette pénalité c'est, en fait, tu l'utilises comme une épée. D'accord. Et cette pénalité est doublée pour les animaux ? Ouais, mais c'est pas vraiment un animal. Pas vraiment un animal. Bon, j'ai ma torche, je vais venir et je vais venir le frapper avec ma torche enflammée. Ok. Alors. Ah, bah 13 plus 6. Ah ben ça touche. Fais tes dégâts. Chérie. Allez là. Chérie. 7 et 2, 9. C'est joli. Bien. Et moins 2, il fait noir ou pas ? Est-ce que je lui inflige moins 2 en attaque ? Bah non, puisqu'il y a les torches autour. Donc là, il fait pas noir. Mais il est déjà à moins 4 hein, sur ses attaques. Il a moins 2 en def. Et il est à moins 6. Et là, il est en mode. Tout va bien. Lui ne voit pas. Que fait notre ami Félix ? Eh ben, moi, après avoir craché ma boule de poil, c'est ça qui m'a fait échouer tout à l'heure, je me redresse bien regonflé et pareil, je tente de continuer de le taillader avec mes épées. Eh ben, vas-y. En fait, non, je le taillade avec, et la deuxième, j'essaie de lui rentrer dans le cœur. Mmh. Voilà, c'est mieux, c'est plus classe. Fais tes deux attaques. Fais tes deux attaques. Vas-y. Alors, 18 moins 2, 16 plus 6. Ça touche. 22. Ça fait 22. Ou alors c'est... Ouais. Et donc le deuxième, c'est 1 moins 2, ça fait moins 1. C'est fumble. Plus... Donc la première touche... Est... Alors, fais tes dégâts de la deuxième. Ah ouais, allez, voilà. Déjà. Merci. Allez, gros bisous. 3 plus 1, 4. 4, moins 4. Et alors, en fait, il va se passer deux choses. C'est effectivement ta première attaque va le toucher, mais la deuxième que tu fais dans la foulée va le manquer. Et parce que ta compagne se met devant au dernier moment, sans faire exprès, elle bouge légèrement, et c'est toi qui te ramasses le coup d'épée. Oh. Alors que t'essayais de te trouver un placement pour trouver comment le toucher au mieux. Tu te ramasses donc 4 points de dégâts. Merci, l'ami. Et sinon, comment tu veux le faire ? T'as dit quoi ? Et sinon, comment tu veux le faire ? Oh ! J'ai cru que c'est la première fois toute ma vie ! Vraiment ? Avec un chat. Toute ma carrière. Avec un chat. Toute ma carrière de Rolif. Eh ben... en fait, j'étais trop énervée. Parce que du coup, j'ai vu en même temps que j'avais... du coup, à cause de lui, j'ai blessé, du coup, Bismine. Et en fait, du coup, je lui coupe la tête. Je lui tranche la tête. Ah. Qui va rouler. Classique. Voilà. Et le silence revient. Conclusion de notre petite histoire. Vous allez, assez rapidement découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce. Effectivement, l'homme qui était en fait un ragarou, qui va regagner sa forme humaine d'ailleurs au moment où tu le tues, expérimentait sur des êtres humains qu'il enlevait son poison. Et vous voyez plusieurs plans du temple de l'oiseau de feu, et notamment des plans qu'il avait apparemment volés. Sur l'organisation des festivités pour... Ouais, tout à fait. Et il allait répandre son poison, apparemment, pendant les festivités qui n'allaient pas tarder. Vous l'avez chopé juste avant, en fait, qu'il se mette en route. Dans une pièce un peu plus loin, vous découvrez des centaines et des centaines de rats
qui sont nourris avec un champignon, champignon un peu pourpre, qui semble leur faire que leur morsure soit empoisonnée. On trouve un antidote, non, j'imagine, dans ce En bref, vous allez finir par trouver, notamment au temple de l'oiseau de feu, un soigneur qui vous permettra de vous remettre. Ça va être un peu long, vous allez vous sentir mal, vous allez beaucoup vomir. Mais vous allez vous remettre. Quoi qu'il en soit, vous avez arrêté le maître des rats. Allez. Et sauvé la fête du soleil d'or. Oh. Et nous arrêtons là. Nous arrêtons là notre one shot spécial. Bravo les amis. La élite, bravo à tous. Bravo, merci Julien. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Ouais. J'étais dans une énergie très basse, j'en suis désolé. J'ai mal à la tête et mal à l'œil. Mais ça m'a beaucoup plu. Très bien. Tes dés aussi, ils avaient mal à la tête et mal à l'œil. Mes dés avaient mal à la tête et mal à l'œil. Ils étaient là, ah mince. On va parler, eux et moi. Vous entendez, les Il gars va falloir une explication. Il va falloir une explication. En tout cas, on espère que ce one-shot, la élite, vous a plu. Ah, on a cool, essayé hein, d'y mettre cool. un petit peu toute l'ambiance de la cité. On n'a pas vu les temples, etc. Mais au moins, on a vu un petit peu les rues, on a vu le cloaque. Voilà, et puis... Des nouvelles races qu'on ne connaissait pas. Puis des nouvelles races qu'on ne connaissait pas. Et puis, on vous dit à très bientôt dans la élite. On espère que ça vous donnera envie d'y jouer. Faut savoir que, juste pour terminer, avant qu'on conclue, hein, mais sur la élite, on a une masse de trucs pour jouer quand même assez impressionnante, parce que vous avez le livre sur la ville, qui est un livre qui est sans système, sans système de jeu aucun. Le livre des règles, qui, lui, contient tous les PNJ du livre d'univers avec les règles de Chroniques oubliées. Donc si vous voulez, vous pouvez juste prendre le bouquin sur la ville et puis faire du Savage World ou autre. Voilà, et après, il y a plein de choses, notamment plein de scénars et une grosse campagne qui complète, qui permet de jouer dedans. Donc il y a de quoi jouer. Qu'on appelle la Sologne. Ça, c'est la deuxième fois que tu nous le fais. C'est le comique de répétition, et c'est pour tous mes amis de la communauté qui connaissent la Sologne. On a créé un club, qui est un club mais sans L. Ouais. On se fout bien de vos gueules. Ouais. Non, mais c'est parce qu'en fait, la tête qu'on a fait, c'est pas parce qu'on connaissait pas la Sologne, c'est juste parce qu'on voyait pas le rapport. Le rapport, blague, hein. Moi j'adore quand dit rapport parce que je vois un rapport, comment ils sont dans les rats, tu le vois, tu l'imagines, tu le vois là. Nous allons avoir cette discussion, nous allons avoir une discussion sur l'humour juste après la fin de cet épisode. En tout cas, on vous dit à très très bientôt, je laisse débattre sur l'apparence du rapport et tout ce qui suit. On vous dit à très très bientôt et ciao. Aucun rapport. Bye.